Oh oui, attendez, du coup je mets le son. Bonsoir à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée et que vous continuerez à passer une belle soirée avec nous tous. On est, euh, on est 8, c'est euh, quand même foufou. Fou. Euh, j'espère que euh, voilà que vous avez passé une belle semaine et que vous la finirez en beauté avec nous et on est en très très bonne euh, compagnie. Bon, je vais commencer avec euh, les personnes qu'on n'a jamais vues. Enfin, la personne qu'on n'a jamais vue sur la chaîne puisque Cyril est déjà venu une seule fois et je me souviens c'était en, en octobre 2020. Ouais, on en parlera. Ça, euh, ça date. Tout début, ouais. Mais du coup, normalement, tout en haut à gauche, vous avez donc Blondie Rostyle, ou encore euh, mm. Brittany. Comment vas-tu aujourd'hui bah, Très bien, merci. Même si ça fait déjà deux fois en deux phrases que je te demande, mais voilà, c'est toujours, <laughs> toujours mieux. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une créatrice de contenu, de toute façon, vous avez toutes les tout, tout ce qu'il faut afin d'aller suivre ces différentes petites personnes dans la description donc vous pouvez aller voir TikTok, Instagram, YouTube, tout, y est bien sûr. Aussi, pas réellement nouveau sur la chaîne et je crois que c'est même l'une des premières personnes avec qui j'ai fait un live sur ma chaîne donc c'est un peu un c'est un peu un, un ancêtre ça, ça va, sur je la suis chaîne souvent là. Hein. Ouais, ça va. mais euh, <laughs> ça date d'octobre 2020. Octobre 2020. Euh, pour, pour, pour Bilou Caps. Tu, tu veux qu'on t'appelle comment Bilou euh, Bilou Caps Cyril Cyril, Cyril Android C'est ce qui te fait le plus Cyril <laughs> <Alors>, Zandroid <laughs> de... Non, non. On va rester sur Bilou à la limite, ouais. Parfait, du coup Bilou, ouais, euh, oui, un, un ami de, de très longue date. Pareil, vous avez tout ce qu'il faut pour aller le suivre en description. Euh, comment vas-tu bah, Ça va très bien. Et toi Bah écoute, ça va... merci de, de le demander. Euh, tu ne l'avais pas demandé Brie, donc euh, merci à toi Cyril de voilà de. de Avais de, demandé de, avant. De... Ouais, bah... le... C'est ça oui <laughs> c'est ça ouais, bien sûr. En tout cas je suis très content de vous avoir tous les deux euh, en plus de nos de nos <laughs> autres invités bien sûr. Euh, bien Elonie... partager. Bon oh, t'as un ange. Oui. Mais Elonie euh, comment vas-tu aujourd'hui oh ça fait longtemps pas du ça tout. Ça fait très longtemps <laughs> c est c est pas du tout. Faux. <laughs> <C 'est rire> comment vas-tu ça va très bien ça va très très bien je suis un peu fatiguée mais ça va et toi tu vas bien depuis 30 secondes. Ça va très bien aussi. Je suis très heureux d'être entouré par une, une belle ribambelle de personnages aussi beaux les uns que les autres, bien sûr. Et euh, j'espère que euh, tu vas bien cracher sur le film, comme tu me l'as dit en, en off et comme tu l'as fait dans ta vidéo réaction, euh, réaction, ta critique qui est en description, bien sûr. Euh, enfin, il y a ta chaîne en description, comme pour les autres. C'est fort gentil ça. Et bien, avec plaisir. On finira bien sûr avec ce petit <laughs> bonhomme-là, euh, qui n'est autre que l'étoile montante de YouTube, mais il le sait déjà lui-même. Euh, bon, Mathéo, vous le connaissez déjà, voilà, la chaîne, comment vas-tu depuis encore ah, vous, une fois Je un meuble, donc. T'es un moi, meuble, oui, moi, bien sûr. J'attends. <laughs> yes, ça est super, comment vas-tu du coup La commode. Quelques secondes. Euh, bah toujours ça va, ça va. Bah super, yes I, Au moins c'est clair, s'y Ah bah est moi je suis simple et efficace, moi tu sais, moi je, suis... je travaille pour bref, donc euh, voilà, c'est bon. Yes I, super. Bref. Alors il nous fait l'honneur d'être aussi présent parmi nous. C'est vrai qu'il n'est pas souvent là. On a euh, l'immense joie d'avoir le Teletubbies gris ou le Power Ranger gris avec nous. Comment vas-tu Momo mais Attends mais t'es sérieux là, c'est moi T'es habillé tout en gris, on voit pas ton décor, donc je suis désolé, mais moi pour moi t'es un mec un peu mystérieux quoi. Je suis un télétovis gris. Bah écoute, ça va, ça va, je suis très content d'être là. Il faut absolument qu'on parle du film. Hein. Ouais, enfin, ouais, ouais. Sachant ouais, qu'en euh, plus, on l'a vu ensemble, et notamment aussi avec, ouais. euh, avec Mathéo. On, on, a... on va arrêter d'aller au cinéma ensemble, je pense. C'est vrai. Je vais arrêter de m'asseoir à côté de toi aussi, je pense. Parce que non que C'est euh... terrible. On avait regardé. Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi, c'était bien. bien. Mais bon. Mais en en cas, cas, Black, Panther, aussi, Black Panther, ça va. Black Panther, t'étais avec nous aussi, Black Panther. T'étais là Ouais. Black Panther aussi, je l'avais invité. Ah non. Ça va. Je l'ai oublié. Ça va, J'avais oublié qu'il était là. Oh non, je suis, ah bah je suis oui. confus. Ouais, je suis... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y yes. aucun problème. Sacha, comment vas-tu aussi L'étoile montante euh, du cinéma français. Oh non, non, dis pas ça, dis pas <laughs> ça. Non, ça <laughs> va très bien, ça va très bien. Très content que tu sois là aussi. Qui, toi qui n'étais pas prévu du tout, euh, je t'avais pro... bah, proposé pour, euh, pour Halo. Enfin, quand on jouait à Halo, je t'avais dit, tu veux venir Tu m'as dit oui, bah es là, du coup. Bah oui, oui, oui bah, bien sûr. <laughs> Bref, tu sais, il y a jamais de mauvaise occasion pour parler de Marvel. Hein. C'est vrai, et du coup, euh, j'espère que tu seras... Comme à, comme à ton habitude, aussi incisif que compétent, que beau, que majestueux. Donc, très content aussi que tu sois là. Oh, C'est oh, gentil. Après, les mots que j'ai utilisés peuvent être aussi utilisés pour le, la dernière personne que je vais mentionner. Je suis désolé. Il est beau, il est frais, il est pimpant, il a un enfant incroyable qui a toujours un regard vénère. <laughs> Comics Guardian, comment vas-tu, le plus beau de, de tous les kikis ah, ça va très bien, et mon Kiki te remercie d'ailleurs. Non, mais, non, mais tu sais, le Kiki, <laughs> c'est le, le, petit, le petit chimpanzé, là. T'sais, je sais, okay. je sais. Attention, on a des mineurs peut-être dans mais le chat, je, je suis bien. confus. <laughs> mais du coup, tu vas bien. Mais ça va très bien. Ah, oui, oui, très très bien, et toi bah, Merci beaucoup de le demander, oui, ça va très très bien également, et j'espère que vous aussi, <laughs> Vous allez bien dans le chat puisque justement on va se retrouver, enfin on se retrouve tout de suite afin de parler de ce film, on va faire un, un, un petit tour de table afin de savoir ce que vous en avez un petit peu euh, pensé, bah on va commencer avec toi Brie, je suis désolé, tu commences, et euh, les, les petites hostilités, qu'est-ce que tu as euh, pensé de ce film, sachant qu'encore une fois, vous pouvez dire ce que vous, euh, vous voulez, ce que vous avez vraiment pensé du film, il n'y a aucun souci, et c'est ça qui est beau, c'est que certains vont aimer, certains d'autres ne vont pas l'aimer, et il y aura euh, bah, du coup des, des débats comme dans dans tous les débats. Du coup, dis-moi euh, ce que tu en as pensé, Brie. Bah, Moi, j'ai bien aimé, mais après, je sais que je suis très bon public. Mm -hmm. Mais euh, j'ai bien aimé, il y a juste deux choses qui m'ont un peu dérangée. C'est okay. la fin beaucoup trop facile et le jeu d'acteur de Cassie. Très ouais. bien. J'ai okay. eu vraiment du mal. Ça se, ça se comprend. Mais du coup, pour le reste, le côté un peu euh, bah, le, la, le, la relation Hank, enfin euh, euh, Janet, tout ça, leur petite famille, tout ça, c'est passé, ça va Ouais, ça va. Enfin, un peu chelou leur histoire, mais. Enfin, son histoire elle est là-bas surtout, mais sinon, euh, ouais. ça va. Ok. Donc, euh, plutôt positif. Plutôt positif. Ouais, moi, moi j'ai bien aimé. Très bien. Euh... Bah, Tu sais quoi bah, Je vais demander aussi à Cyril. Du coup, Cyril, qu'est-ce que tu as pensé euh, de, ce, de ce film Sachant que quand tu m'as dit que tu avais regardé le film, tu m'as envoyé des, des emojis un petit peu équivoques, mais euh, dis-nous tout. Ah non, bah, comme Bri, hein, j'ai adoré le film. Vraiment, euh, meilleur film, je pense, de ma vie. Ah ouais. Euh, non, bien évidemment que non. <laughs> il, y a, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, beaucoup de choses à dire, mais euh, non, très déçu par okay. la tournure du film globalement. Euh, franchement, c'est Osef sur Vent, quoi. Ok, d'accord. Donc euh, là, on est vraiment sur, sur l'opposé, même si... Euh... On aura le, le. Je pense que. En fait, je pense que quasiment tout le monde a un avis un peu négatif, sauf Brie, du coup. Et ça va être assez intéressant de tous lui tomber dessus. Euh, <rire> Mathéo, <rire> du coup, toi, en quelques, en quelques mots, bon. Bah, déjà, je ne vais pas, bah, pas beaucoup pas me répéter, hein, les gens le savent. Moi, ce n'est pas, pas ce que je voulais. Pas, je retiens pas grand-chose du positif du film, à part Kang. Mm -hmm. donc, euh, donc, non bien, non bah le, le nom ça suffit c'est bah, je, je crois que c'est le premier ouais. truc que j'ai dit en vous regardant, j'ai dit bah non on n'en <laughs> parle pas, c'est vrai que t'as dit on n'en parle pas, t'as dit on n'en ah parle pas je, me suis, je crois que la première fois que j'ai sorti à Landry et Momo et bah du coup il y avait Sidji je crois ah, que moi, ah, moi, ouais, dit, oui. je me suis retourné après la séance, j'ai fait on n'en parle pas les gars, ok <laughs> euh, sûr, et quoi. je me suis cassé à nous coucher parce que j'avais envie de dormir, et c'est vrai, vrai, et en plus sachez que c'est la première fois, parce qu'en général quand il y a ce genre d'avant-première et tout, on reste à la fin pour manger un petit peu même débriefer par rapport au film, je devais partir très très vite parce qu'il y avait mon père qui m'attendait. Mais de ce que j'ai compris, tout le monde à la fin du film est parti. Bah en côté on, on, avait tous des, on avait tous des trucs à faire en fait. Oui. En vrai. Enfin, en tout euh... cas, moi et euh, je sais qu'Alcor, il avait des trucs à faire aussi. Okay. Donc, euh, en vrai, euh, pour le coup, moi, je suis pas parti parce que j'avais pas envie de parler. Tu vois, c'est juste que mm -hmm. j'avais vraiment envie de dormir. <laughs> oui, ça se comprend. <laughs> ça se comprend bien sûr. Euh, bah, une autre personne qui avait vu le film avec nous, Momo. Bah, Dis-nous ouais. dis tout, toi qui étais à côté de moi, je t'ai porté bonheur, non le film, c'est une, une catastrophe. D'accord. Voilà. Yes, euh, je ne vais, euh, vais, vais pas tergiverser 30 ans parce qu'on va y revenir euh, petit à petit. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est le pire film du MCU, mais dans tous les cas, il n'est pas loin. Il euh, y a plein de choses aussi, parce qu'en fait, euh, je, je vois des, des, des gens apporter des points un peu positifs sur le film et tout. Il n'y a personne qui m'a apporté un argument convaincant. À mon sens, euh, sur tout ce que les gens défendaient du film. Mmh. Donc, euh, si c'est comme ça que la phase 5 va se dérouler, euh, on est dans le mur et voilà, c'est une catastrophe. C'est <laughs> pas d'autres termes en fait. Mais du coup, même avec le recul, ben, même avec le temps qui est passé, voilà, tout ça, ça... même euh, parce que je me suis dit, vas-y, attends, je vais mûrir enfin, je vais le truc, tout ça et tout, je vais peut-être deux jours plus tard, je <laughs> vais changer d'avis, pas du tout. Et plus le temps est passé, plus ma haine envers ce film a grandi. Donc, euh, c'est dire à quel point. Euh... <laughs> c'est chaud quand même ah, hey. moi trouve vois c'est l'inverse enfin j'ai pas je dis pas que je l'ai aimé attention on mm -hmm. roule, euh, commando. mais juste mon cerveau a réussi à oublier tous les trucs chiants et se rappeler que de Kang du coup je pense plus au reste okay. il ouais, y a cet aspect là mais enfin, d'ailleurs c'est un point positif du film par contre je voulais juste dire ça en, en levant la main vite fait qui a vu le film deux fois pour l'instant Bon, ok tu, donc, euh, tu es tu peu, je suis tout seul, d'accord. J'aime bien la souffrance, mais pas à ce point-là. Non, mais tu sais, <laughs> alors, euh, alors, je t'ai coupé une jambe, est-ce que tu veux que je te coupe la deuxième aussi? Non, non, mais, tu sais, avec un deuxième visionnage, peut-être, t'as, un, as, as une autre approche, ouais. où tu vas le voir même avec d'autres personnes et tout, tu vois. Un... J'ai hésité à me le refaire demain, mais honnêtement, euh, bon... Genre, à un moment, euh... ouais. c'est bien les fessées hein, mais peut-être pas là, non, tu vois. Genre, yes ça, là... oula, tu veux nous dévoiler peut-être quelque chose de ta vie privée, je ne sais pas. sur Twitter, <laughs> <Mathéo. Yes rire> super. Mais du coup, pareil pour toi, Momo, c'est euh, bon, on va retenir catastrophique, c'est non, c'est non, non. non. Catastrophique. parfait, oui. Eloni. Justement, toi aussi, bah, on, je connais un petit peu ton avis, puisque j'ai regardé, je me suis tapé ta critique. Non pas qu'elle était euh, pas bonne, hein, mais euh, dans le sens où... Avec plaisir bah, 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 mais, hein, mais, Je l'ai la regardée, oh, du coup. Euh, bah, Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, du film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu Moi, je l'ai vraiment trouvé médiocre. En fait, il est pas ultra, ultra mauvais, mais il est vraiment, vraiment loin d'être incroyable. Euh, déjà, les Ant-Man, moi, j'ai déjà dit, j'avais du mal avec les films Ant-Man, solo, j'ai trouvé vraiment pas ouf. Mm -hmm. Et euh, on ne peut pas me reprocher d'avoir eu des attentes, je trouve, sur celui-ci, parce que ce qui nous était vendu, vraiment, était vraiment, avait un potentiel de fou. Et vraiment, genre, j'ai non ça n'a non, ça pas répondu à ce que j'attendais donc il y a des trucs bons, Kang et les scènes post-génériques mais j'ai été beaucoup plus hype quand j'ai vu les scènes post-génériques qu'un film entier et c'est pas normal donc non il est vraiment très médiocre Voilà. d'accord très bien, au moins c'est clair mais vous avez tous oui. un mot différent c'est ça qui est marrant, il y a non, il y a catastrophique euh, médiocre, bien. super <rire> <yes>. <rire> euh, bah Comics Guardian, toi qui l'as vu aussi avec nous euh, pareil, voilà. ça ouais. a peut-être trop On descendu mais dis-nous tout euh, ouais, bah moi du coup, contrairement à Mathéo, j'ai pas changé d'avis. Waouh, wow, euh... est pas. Non, ah, il est pas remonté. J'ai pas changé d'avis non plus, mais euh, il <laughs> le film maintenant. ce qu'il peut. Mais euh... non, vraiment, c'est très, très, très moyen. Euh, Momo se posait la question si c'est le pire film du MCU. Je pense que heureusement Thor Love and Thunder est, est devant, mais il est vraiment pas très loin derrière. Mm -hmm. Et, euh... Et non, c'est très décevant. Euh... Et en fait, moi, c'est même pas. Mm. On va en parler aussi, Momo le disait tout à l'heure à demi mot, mais moi aussi j'ai vu plein de gens dire ouais, mais c'est les attentes que vous aviez, etc. En fait, moi c'est pas les attentes, la hype, etc. Je enfin... Évidemment que c'est important, mais je vais juste pour voir un bon film et je trouve que c'est un mauvais film. Parce que justement, j'ai un petit coup de gueule par rapport à ça et je trouve qu'il y a des gens qui abusent fortement. Ouais, je trouve qu'il y a trop maintenant l'argument de Ah non, vous êtes influenceur, c'est que vous avez trop d'attentes. En fait, franchement. Trop d'attentes, ou alors. Ouais, c'est un film Ant-Man, vous vous attendiez à quoi À un film, en fait. Je m'en fous, un peu l'argument facile, genre juste. Euh, voilà. Je peux, peux citer euh, 25 arguments de pourquoi j'ai pas aimé le film, et le seul truc que tu requins, c'est j'avais trop de hype. Ah, super, merci. Oui, parce que si jamais ça peut rassurer les gens, euh, moi j'avais pas trop de hype, et c'est pas oui. pour autant que bah, aimé voilà. le film. Donc, mais en euh... fait, c est, c est, non, mais, as c est, c est, mais as une chaîne, toi je suis sûr que t'as une chaîne YouTube et tu le dis pas, genre t'as 300 oui. 000 abonnés, <laughs> tu parles de ça tout le temps. Tout non, si vous bon, si voulez, je peux vous rassurer. vas-y Laura. Je peux vous rassurer, j'y étais avec ma famille, donc ils n'ont pas de chaîne YouTube. Vraiment, je vous rassure, ma mère n'a pas de chaîne YouTube. Elle a vraiment ouais. pas aimé le film. <laughs> <YouTube. rire> <laughs> <laughs> ma mère n'est pas influenceuse. <laughs> Pareil, et moi j'ai reçu un message de mon, de mon oncle. Il m'a dit le film est nul à chier. Il m'a dit ah, yes. vraiment ah. ça textuellement, euh, textuellement parlant. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi l'avis de, de personnes, parce que la plupart d'entre nous avons vu tous les films, tous les programmes quasiment du MCU. Ce qui est intéressant, c'est que toi, Cyril. Tu n'as pas vu tout ce qui a été fait du côté de Marvel. Parce ah ouais, que si non. je dis pas de bêtises, euh, alors je ne sais pas si tu l'avais vu, mais je crois pas. Mais par exemple, la série Loki, euh, tu l'as pas encore vu si je dis pas de bêtises. Non, non, effectivement, bah, j'ai j'ai jamais pris d'abonnement Disney. Plus mmh. Donc euh, j avais, j avais, j pas, je ne me suis pas tapé toutes les séries. Et euh, du coup, effectivement, aucune attente sur ce film. Globalement, les Ant-Man, effectivement, ça a toujours été euh, un peu aux F, mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. En plus, il y a Kang, pour le coup, même si je ne suis pas un, un énorme connaisseur, lui, je le connais. Mmh. Donc vraiment, j'y suis allé en mode voilà, on va voir, peut-être petit film sympa. Ouais, non, non, franchement, c'est euh, vide en fait, je trouve vraiment que c'est vide. Et, et du coup, le, juste vite fait, après, je passerai la, la parole du coup à Sacha. Euh, Kang, du coup, et en, sans, sans avoir de, de background, comme dirait DJ Snake, mm. euh, est-ce qu'il est t'a convaincu pour la <laughs> suite ou pas, pour l'instant euh, Alors, j'ai trouvé l'acteur très charismatique. Okay. J'ai beaucoup aimé l'acteur. Euh... Kang en lui-même, je n'ai pas trouvé que c'était une menace à proprement parler. Tu vois. À aucun moment, j'ai une tension particulière où je me suis dit... Oh, sauf au moment où il a commencé à désintégrer... Ok, section spoil. Mais quand il a commencé à désintégrer les gens, il, il, il s'est mis en action. Là, je me suis dit, ok, le mec a l'air de peser. Mais mm -hmm. à part ça... Euh, pas trop. Voilà, pas trop voir, de pour même. la suite, ça, pas trop de menaces. Après, voilà, la, 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 la première scène un peu générique, euh, j'ai euh, quand même euh, quelque chose d'assez énervé pour Kang. Euh, mais voilà, on verra. Très bien et, euh, et euh, juste avant du coup, de donner la parole à ce, ce belâtre euh, je vous ai du coup laissé le, le sondage euh, dans le chat euh, donc euh, qu'avez vous pensé du film bon euh, incroyable à 10% bien à 34% moyen à 35% et désastreux à 21% vous pouvez continuer de voter et je vous avais également euh, proposé un mot pour décrire le film donc vous pouvez toujours le faire mais euh, du coup euh, dis- nous tout euh, sacha euh, toi qui pour le coup c'est assez, assez intéressant c'est que tu as un avis qui est tranché mais c'est vrai qu'on n'est pas souvent d'accord. Mais vu que je ne sais pas du tout ce que tu as pensé du film, j'ai hâte de t'écouter. Euh, bah alors concrètement, moi, ça va voilà être... Voilà pourquoi Attends. en 25 points, j'ai <laughs> trouvé <et> mauvais. <laughs> numéro, ah <laughs> bah, ah bah, yes, je... je... I... <laughs> il est parti, ah bah, il, il est parti C'est génial Il n'y <laughs> <hyper étonnant rire> a pas de soucis, du coup je vais en profiter pour bah, il ah est bah, revenu est... directement. C'est super. Est-ce qu'il va, est qu va revenir c'est de <laughs> va remettre son micro Pardon, ah, excusez-moi, excusez-moi. Pas de souci. Alors concrètement, pour pas radoter par rapport à ce que tout le monde a dit, parce que ça le film est mauvais, c'est clair, et heureusement qu'on a des attentes pour ce genre de film, sinon plus personne n'irait les voir, je pense. Mais concrètement, moi, je trouve juste que ça fait extrêmement peur pour l'avenir, en fait, parce que ça, ça montre qu'on on pourrait limite croire qu'aujourd'hui Marvel, ils savent plus faire, euh, qu'ils euh, qu sont perdus, parce que, pareil, si on oublie le monde quantique, qui est une catastrophe scénaristique, euh, même pour tout ce qui est pour la suite des euh, chronologies, de euh, la, la timeline, etc., le, le multivers, etc., ça n'a pas de sens. Rien, rien ne fait que un spectateur lambda qui va pas se creuser la tête en rentrant le soir après avoir vu le film peut comprendre, en fait. Et, euh, et déjà, rien que ça, ça fait extrêmement peur pour la suite du, du, du MCU. Donc c'est pour ça que moi, honnêtement, je suis sorti de la salle. Bon, mis à part le fait que voilà, le film, on m'avait prévenu à l'avance qu'il allait être à chier, donc ça, j'avais pu d'attente dessus à, à la veille du film. Mais mm -hmm. même par rapport à, à Kang, qui était stylé dans le film, bah ça fait extrêmement peur, et ça donne pas envie de voir la suite, honnêtement. Parce que vraiment, c'est... Euh, c'est mal expliqué, c'est mal fait, ça... Bon, si on, si on oublie les effets spéciaux, évidemment, mais... Ouais, Scénaristiquement, il n'y a plus de création de personnages comme on en a pu en avoir pour Thanos. Mm -hmm. Ce qui a fait que les gens sont allés voir Endgame d'ailleurs et que ça a apporté euh, énormément de fric. Donc, moi, je pense que Marvel devrait avoir peur pour ses chiffres d'affaires, honnêtement. Très bien. Sachant que ce qui est très intéressant, c'est que tu as dit que tu avais peur pour l'avenir et il y a des gens qui, euh, par rapport à ça, euh, moi en tout cas, m'ont envoyé des messages en me disant Oui, mais du coup, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que en fait, tu vieillis, tu n'as plus la maturité euh, qu'il faut pour hein, regarder ce genre de film. Mais pour le coup, je suis pas d'accord parce que. Le ah, film Ant-Man oui. et la Guêpe non, est beaucoup pas moins pas. mature qu'un Captain America, le soldat de l'hiver, qui est sorti il y a 9 ans. Donc ça n'a pas de sens de sortir ce, ce genre d'argument. Donc, euh... non mais tu ne peux pas dire ça dans un monde où il y a des gens qui, n qui sont plus vieux que nous, qui ont apprécié d'anciens films du MCU. Je pense notamment à certains films comme Winter Soldier, qui est un très bon film de super-héros très terre à terre, espionnage, etc. Et d'autres films, Infinity War, il a été énormément apprécié également parce qu'il y avait une véritable qualité. Il y avait un ton, il y avait un scénario, il y avait des personnages, il y avait des enjeux, etc. C'est pas une question d'âge. C'est une question de faire un bon film ou pas faire un bon film. Ce qui m'amène juste du coup à ce, à ce point que je voulais aborder que CG avait, avait dit. Moi, je suis désolé. Les gens qui me sortent oui, mais en fait, c'était par rapport aux attentes des fans. Oui, mais c'était parce qu'en fait, vous étiez sur IP. On n'attendait pas un truc où toutes les théories qu'on faisait euh, étaient validées. En fait, Merci. moi, ce que j'attendais, c'était d'être respecté euh, en, tant que, en tant que spectateur. Euh, j'attendais à avoir un truc de deux heures où je ressorte en, 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 en me disant Ok, j'ai une morale, j'ai eu un cheminement de personnage, j'ai eu une cohérence scénaristique, j'ai eu des effets spéciaux qui étaient intéressants et beaux. Parce que je suis désolé, c'est la première fois de ma vie que je ressens un film avec une migraine. Ce n'est pas normal. Moi, j'attendais juste du respect. C'est pas le cas. Et là, actuellement, euh, ce qui se passe avec la phase 5, et encore une fois, je suis totalement d'accord avec Sacha, ça fait super, super peur. Parce que si c'est ça maintenant la façon de développer des films. Mais j'espère que d'ici, ils vont les balayer en fait, parce que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses. Et non pas parce que je m'étais fait des théories, parce que je me suis dit, il y a du fric, il y a des acteurs et punaise, on en reparlera, mais il y a du gros gâchis d'acteurs. Parce que Paul Rudd, il n'est pas mauvais, Evangeline Lilly non plus, Michael Douglas non plus, Michel Pfeiffer non plus, euh, Bill Murray, enfin punaise, c'est quoi mm -hmm. ce gâchis Tu invites un acteur pareil, tu fais un personnage, c'est le plan cul de la guêpe C'est ça ton argument Et tu l'as foutu dans la d'annonces et tu as hypé tout le monde sur ça Donc en fait, il y a plein de choses qui vont pas. En fait, au-delà du film, de façon diégétique, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et stratégétiquement parlant, Marvel ne fonctionne pas avec cette formule. Et je trouve que c'est du pur foutage de gueule. Voilà. C'est très beau ce que tu, ce que tu dis. Tu peux arrêter Là, c'était tout. Il a tout il a tout dit. Il a tout dit. A tout dit. dit. A tout dit. <laughs> mais je t'en prie, vas-y, Laura. Euh, moi, je, je, je complète, pardon. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que Momo a dit. Et je rajouterais même que moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est que les autres films avaient réussi à garder une émotion. Ce film-là passe totalement à côté des émotions. Et euh, j'ai toujours dit je suis une personne qui fonctionne beaucoup au niveau des films, où j'attends d'avoir des ressentis, des émotions. Là, il n'y a rien eu, il n'y a aucun moment dans le film, tu es en mode wow, « waouh, à quel moment tu as la tristesse qui monte es pas en... et vraiment, tu rien, tu es juste un, un, un légume devant le film et tu… ok, d'accord ». Et ça, vraiment, ça m'a fait extrêmement peur. C'est le premier film qui fait ça dans l'univers Marvel, en tout cas pour moi. Et du coup, c'est vraiment le truc qui me fait extrêmement peur. De toute façon, t'as euh, ouais. aucun... peur à aucun moment dans le film pour les personnages. Il y a ah, aucun y a enjeu. Il euh, y a un ascenseur y a émotionnel tension, à la fin euh... en mode. Ah attends, quand euh, il est en train de se bagarrer avec lui, du coup je me suis dit bah cool. En plus, j'ai pas vu Creed 3, donc ça tombe bien, ça me donne un petit avantage, <laughs> tu vois. À la limite. Et t'as le truc, finalement. Je me dis mince, ils ont quand même réussi à bloquer Ant-Man et la Guêpe dans le monde quantique. Comment est-ce que ça va se passer ouais. Bah non en fait. Genre Cassiel a fait le truc à la dernière seconde, mais au bout d'un moment, mais frérot, c'est quoi ce délire Et le pire, <laughs> et le, le, sûr. pire le pire dans l'épilogue, le pire, c'est que derrière, il y a des gens qui m'ont sorti comme argument. Non mais c'est marrant parce que du coup, Ant-Man, il est un peu traumatisé par Kang parce qu'à la fin, il se dit, ça se trouve, il n'est pas mort. Non en fait, c'est une blague. Ça, c'est ce foutre de la gueule <laughs> du personnage. C'est ce foot de la gueule de Kang de faire en sorte que le mec soit un running gag à la fin dans la tête de Scott en mode. Ah, en fait, si. Mais en fait, non. Mais en fait, si. La menace, elle n'est plus du tout prise au sérieux. Et une personne qui n'est pas familière à l'univers Marvel, etc., pour elle, c'est un méchant qui ne reviendra pas et qui sera juste ça. de base. À la limite, Kang, il revient dans un film d'après, mais sans plus. Une personne qui ne connaît pas Marvel, elle voit la scène post-générique numéro une, elle se dit Ouais, ok, il y en a plusieurs, mais ça va être réglé plus tard. Personne ne sait que, genre, c'est le nouveau Thanos. Et dernier point aussi, le scénariste, c'est le même que dans Kang Dynasty. Exactement. On est dans la merde. <laughs> on est dans la merde les gars C'est franchement je vois pas comment est-ce que ça pourrait bien se passer par la suite c'est beau c'est beau ce que tu dis, je, oui, je vous en prie mais t'es pas obligé de lever la main mais je t'en prie vas-y non mais je, je levais la main c'était juste pour rebondir par rapport à, à ce qu'il disait aussi, ce que je voulais dire c'est que ils nous ont vraiment vendu ce Kang en mode j'étais le plus puissant ils ont dû m'exiler tellement que j'étais le plus puissant des Kang, je me suis battu contre tout en fait c'est à dire que ant s'il a pu vaincre ce mec S'est battu contre tous les autres Kang, il peut battre tous les autres Kang. Enfin, c'est pas crédible pour la suite. Il y a est, aussi non, ouais, truc Oui, de... hein, ouais, bon, moi, moi, je préfère. Moi, tu sais, je te dis, je préfère oublier le fond du film et parler de l'avenir du MCU parce que tout meilleur maintenant, c'est pour ça que je vais voir les films. <laughs> ouais. J'ai du mal à me dire que je vais aller voir un bon film et je préfère être surpris quand je tombe sur Doctor Strange 2 ou Eternals. Ouais, mais concrètement, ça. si Elle... on doit parler de, de l'avenir, à quel moment tu te dis. Franchement, enfin, moi, je, je n'ai pas peur de Kang parce que celui-là, quand il a eu un peu de charisme et qu'il a, il a commencé à tuer des gens, à faire flipper et tout, tu te rends compte qu'en fait, il se fait battre par Ant-Man. Il était en mode bâche. Je... Quand vous êtes gentil, tuer des gens, il les fait disparaître comme t'explose des bulles de savon. Ouais, donc ouais, voilà, C'est mais... ah, ouais, vraiment incroyable, effectivement. Tuer vénère, des quoi, gens, je m'attends. Quand, quand on te le présente en mode, le mec, moi, j'ai trouvé très bien sa présentation avant qu'on le voit et avant qu'on le voit en action. En gros, on te le vend comme bah, le mec, euh, il a fait peur à tout le monde, il a, il a flingué des timelines à droite à gauche. Même lui, quand il rencontre Ant-Man, en gros, il s'en fout. Pour lui, c'est un Avengers parmi les autres. Il en a déjà tué des, des tonnes dans d'autres terres, etc. Il parle de Thor, alors que Thor est censé faire partie euh, des Avengers les plus puissants. Il t'en parle comme si c'était un mec lambda. En gros, il l'a il, il fumé, ouais, fumé sans problème. Et puis à la fin, tu, tu termines comme ça et c'est d'une tristesse. Et, et même tout à l'heure, Momo parlait de la résolution finale. Moi effectivement, pareil. Je me suis dit ah trop bien, ils les ont enfermés, ils vont être bloqués tous les deux. Et puis même tu sais, il y a cette phrase de quand il est en train de se faire défoncer euh, euh, Scott, il dit le but c'est pas de gagner, c'est qu'on perde tous les deux. Mm -hmm. Et tu vois, tu te dis ah ouais cool. En enfin, fait, il va y avoir de la, du drame, etc. Et en fait non, bon bah sa fille, elle a tapé un cheat code euh, ah, sur oui. son ordi et elle a mais ramené les deux et terminé. Ah, cette phrase, ça, euh, ça, pour, est elle est ça. faite pour le trailer, elle est purement marketing, vraiment, c a ça, rien de c plus ça. que ça. Oui, mais du coup, ce qui rend les choses encore plus tragiques, c'est que Ant-Man et la guêpe qu'Antumania ne sert à rien. Dans le Marvel Cinematic ah, Universe, oui. il n'apporte absolument rien. rien du tout. Le personnage n'a pas évolué, la guêpe n'a pas évolué non plus. Même ce qui se passe narrativement dans le film, ça ne sert à rien parce que finalement le Kang qui a pop ici, il a disparu. Donc moi, un mec qui me dit je veux voir Kang Dynasty, est-ce que je dois avoir Ant-Man et la Guêpe tout mania je lui dis non. Le film ne sert à rien. C'est un film filler. Et ça, c'est un problème dans un univers qui se veut être cohérent. Et encore, je vais passer sur d'autres trucs parce que autant on parle du film sur, le, sur la partie un peu scénaristique et cohérence d'univers, visuellement et cinématographiquement parlant. Moi, je trouve que c'est une catastrophe de faire un Star Wars à la Wish en mode super, Kang, c'est Palpatine, Modoc, c'est Vador. Le fait qu'on ait des plans qui soient quasiment similaires aussi par rapport à certains films Star Wars, le fait qu'on ait aussi une phrase que Hank Pimbalance, qui est, qui, qui est copié-collé d'une phrase d'Indiana Jones 4 aussi. Bref, ils ont fait plein de trucs différents. Et sincèrement, je me suis dit, mais en fait, elle où est où la créativité dans ce film C'est quoi la plus-value Qu'est-ce que tu m'apportes, tu vois Et même Thor 4, que j'ai pas trop, trop kiffé, on va pas se mentir. Il avait quand même un peu plus de, de bolasse, hein, si je peux dire les termes, euh, pour, pour apporter quelque chose. Scantman, Endoa, man n'a pas fait. Bah après, Donc, pour, un... pour défendre Thor, qu'on aime ou pas euh, Thor 4, et je peux comprendre, euh, takeo Titi reste, contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi un beau réal, en tout cas en termes de mise en scène. Il sait faire des beaux plans. Il a quand même une vision, alors euh, on aime ou pas euh, le délire, mais il a quand même une certaine vision, ce que pour le coup Peyton Reed n'a pas, et encore moins dans ce film-là pour le coup. Parce que j'évoquais le coup des combats qui sont d'une tristesse absolue dans ce nouveau et je préfère les combats de Ant-Man et la guêpe, le, enfin, le deuxième du coup, il y a, à choisir. Alors, juste par rapport à cela, il y a un truc qui est fou, c'est que vous savez que, oh. alors j'adore parce que ce film il est tellement clivant que j'ai même pas donné la parole à qui que ce soit, vous avez totalement fait le débat et tout mais c'est trop <laughs> cool en vrai. C'est trop cool parce que j'ai bah, même pas le droit. De... En vrai, casse-moi. Ah, en vrai, casse-moi, je prends le droit. Je veux vraiment partir pour le coup. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Mais justement, en plus, on parle de. on parle de, de, de... Bah, t'as tout cassé, quoi, c'est tout, mais c'est pas grave. Mais Super, non, en fait, je me casse. <laughs> pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'aussi. Euh, je... En vrai. Pardon, excuse-moi. Non, mais non, c'est fait. Il a tout cassé. Il a tout fait. cassé. Voilà. C'est fait. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, en vrai, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de savoir que les gens retiennent de positif dans ce film-là, hormis, allez, hormis Kang, qu'on va, qu'on va dire, on sort pas trop mal. Qu'est-ce hein. qu'on retient de ce film-là? Et si on me dit la scène post-crédit, bah, d'accord, mais dans ce cas-là, sortez des scènes post-crédit sur YouTube et on se fait pas chier à aller au cinéma, à un moment donné. Enfin, si, si le but des films Marvel, c'est la scène post-crédit, c'est triste. Enfin, je veux dire. Surtout pour que la pour scène post-crédit. En plus. Tu vois mais si mais pour -post une entreprise les deux en plus euh... Si pour une prise, les mecs se cassent les couilles à, à payer 150 millions 200 millions pour des scènes post crédit bah ça sert, mmh. rien, en fait. mmh. Voilà, mmh. ça sert à rien en Br fait. Ça sert à rien. Brittany toi. Mais je pense vraiment, à vraiment à effectivement. Euh, vas-y. De... Non non vas-y. Vas non je t'en prie. Et après bah, euh, Brittany. Ouais, juste un petit truc effectivement je trouve vraiment que que le mot c'est Osef en fait ce film effectivement n'apporte rien. Tu peux faire un film filler en soi pour introduire un méchant mais tu essayes quand même de faire un développement de personnage. Là, début jusqu'à la fin, les personnages presque ne changent pas en fait. Et, et du coup, tu t'es là, tu te dis, bah, ça sert à rien. À part effectivement introduire Kang, est-ce que tu as besoin d'avoir un film de deux heures pour faire ça Vraiment. Je suis totalement, euh, totalement d'accord. Et justement, bah, toi, euh, Brittany, euh, qui, euh, qui justement, bah, au tout début, tu avais trouvé ça quand même assez positif, le, le, le film, et tu ressortais. Euh, qu'est-ce que tu penses de, 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 du personnage de Kang Et qu'est-ce que tu penses de. Euh, bah de l'avenir en fait du personnage. Est-ce que toi aussi tu trouves que ce film il est peut-être oubliable Est-ce que tu as passé un bon moment devant ce film là Dis-nous tout dans les moindres détails. Bah Moi j'ai passé un bon moment sur le moment pour, dans le film, mais euh, ça restera pas le film qui me marquera le plus, Ça c'est sûr et certain. Euh, Kang, j'ai apprécié juste encore une fois, je trouve la fin euh, complètement absurde par rapport à tout ce qu'on a vu dans le film. quoi. Euh, encore une fois, le mec il, il arrive, il... les personnes qui sont devant lui elles disparaissent, mais les fourmis il sait rien y faire. Enfin, c'est vrai, trop. C'est vrai, ça, ça. Les, des, des, des meurs, elles sont plus grosses ah, que d'habitude. C'est des fourmis surévoluées, ça. Mais ah, oui, voilà, hein, pendant ça. mille ans elles ont évolué. Il enfin, faut comprendre quand même. On explique, on suivre un peu. pas le pire des sex Machina de l'histoire du cinéma. Sérieusement. Flingué. Alors en plus, ils l'ont montré au début, quand ils allaient dans le monde quantique, tu voyais les fourmis. Je me suis dit, soit c'est un effet graphique. Dans ce cas-là, c'est cool, mais on s'en fout. Soit ça va être expliqué plus tard, à la fin. Mais débat, en fait. Euh, genre, j'entends un signal. En fait, j'étais là depuis le début <laughs> et elles sont venues. Elles ont eu le temps de bâtir une civilisation. On connais, ne s'y attendait ce -là, pas. Là, c'est à ce moment-là que j'ai tourné la tête euh, vers Warren et qui était comme mmh. Je, pas me... pas Je pas regardais. <laughs> J'avais même plus envie de regarder le film. Mais ça n'a aucun coup, sens. Quoi. Ça n'a aucun sens les trucs. Et les ce les ce filles qui... ont vécu des millions de vies et elles, elles arrivent à créer des grippins. Frères, eux, ils sont ils sont en, en jute. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce film n'a aucun sens. Non mais en vrai, les fourmis, ça, ça prépare, je pense, Avengers de Kang Ça va être eux, l'armée, qui va sauver. Bien, euh, sûr. Avengers. Ouais, ouais. bien ouais, sûr. Bien sûr. <laughs> sûr. Tata, tu, sais, tu vois, la la tu, va Valkyrie, le... non, mais tu vois le combat final d'Avengers Endgame, et tu mets des fourmis oui, à la non, place. Tu vois. Bah, ça ça, va être ça. Ouais, <laughs> tellement non mais bizarre. la vérité, c'est que ça, ça a été utilisé juste pour justifier l'importance le... dans man Sauf que la vérité, c'est qu'en man il sert à rien dans le film. Non. Donc, oui, à ce moment-là, pour moi, Hope est vraiment le point. Bah, vraiment, Hope aussi. Hope. Non, mais Ope, ça a rien. Hope, ça sert à rien. Elle n'a jamais servi à grand-chose à part euh, Ouais, faut que je retrouve ma maman. Mais Alors là, pour le coup, dès qu'elle a trouvé, vas-y, hein, fuck. Ouais, non, mais mort. Oui, vas-y, Laura. Hank, euh, le film n'a même pas eu les couilles, clairement, de tuer un personnage qui. On peut m'expliquer à quoi va servir maintenant Hank. C'était le moment parfait pour le tuer, oui. je suis désolée, et mettre justement quelque chose dans le... Ils ne l'ont pas fait, alors que même Thor, ils ont réussi à tuer un personnage, et là, ils nous tuent personne. C'est honteux. C'est vraiment et honteux. ils Si tu le, justement, ah, il y aurait une plus Jane. Oui, et en scène pas générique, ils l'ont ressuscité. Oui, mais Merci. je veux dire, que ah, le, bon, MCU, voilà. le MCU c'est <laughs> pas tuer les personnages. Vraiment, ils ont pas fait un truc. Ils n'ont pas envie de tuer leur perso. Allez, mais bah, là, ils ont tenté un euh, truc, en là, en ils en ont vrai... rien tenté. Ils ont fait, ok, tout le monde rentre dans la main. Euh, oh là là, tout va bien, mange des, des gâteaux au restaurant, normal, bah oui. Il faut qu'il bah, qu y, hein. ouais, qu y ait le plus de monde possible. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible sur la scène finale de Secret Wars. Il faut le comprendre, ça aussi. Bah, bien mais, sûr, en... il n'était ah, même pas là sur Endgame, tu crois vraiment qu'il va se taper. Oh, il le sera. Oh, il rappelons, rappelons, rappelons que Michael Douglas, il a 78 ans. C'était le ah moment ouais, de, le ouais. vers, euh, de le buter là. Hein. C'était le moment là. Hein. Non, là, c'est trop tard. Non, mais surtout que, en plus, alors, moi, je arrêtez, veux voir tous ces variants dans Secret Wars. Arrêtez-moi si ça. je me trompe et si je dis une fake news. Il n'y a pas euh, Michael Douglas qui a dit en interview que s'il revient, il faut que son personnage crève. Ou j'ai rêvé Parce que j'ai cru voir mais... un truc ouais. comme ça. Mais bah, vrai, dans ce vrai, hein. c'est si fou, ok Mais moi, j'aurais bien que ça arrive. Mais oh. Momo, Momo qu'il qui crève ou pas, euh, Hank Pym. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles Enfin, je sais pas. Oui, non, mais si, non, mais si. En fait, là, ils l'ont pas fait dans le film. Ils l'ont pas fait, c'était l'occasion de le faire, mais ils l'ont pas fait. À part à la fin, dire j'ai servi à quelque chose. En fait, c'est pour rassembler les fourmis mais... dans le Kang Dynasty, c'est tout. Mais oui. Bah, si ça arrive, ce sera un beau... Il faut bien un bon... meneur en fait. Bah ouais. Parce que là, ce sera un foutage de gueule. C'est logique. ça, ça sera le dit. film Hank Pym, The Kang Dynasty, pourquoi pas en vrai. <laughs> ça peut <laughs> être un, un truc plutôt sympa, on sait pas. On sait pas. Mais euh, moi, j'ai envie de revenir sur un truc. Parce que c'est bien beau, on, on parle de Kang, on parle des Avengers, tout ça. Revenons sur un mot cinq lettres. Modoc, s'il vous plaît. Je non, vous mais je voulais supplie. pas. Je veux pas. J'aurais juste pris le mot tocar. Tocar, c'est vrai. Modoc, tocar. C'est utilisé. Laura, je veux avoir ton avis dessus. Sur Modoc. C'est vraiment. <laughs> euh... <laughs> Franchement, au début, j'étais en mode. Ok, quand tu vois arriver avec son armure et tout, comment il te balance ses speeds, genre un guerrier, rien ne lui résiste. La salle a eu un fou rire. Vraiment, ma salle était en fou rire total. C'est une blague de A à Z. Vraiment, en vrai, il est. Genre je m'en fous, en fait il apporte rien, c'est juste une blague et, et voilà. Est Mais pourtant vrai. son origin story, elle, elle avait l'air cool, hein. vraiment, elle avait l'air cool et tout. En... Euh, pas... Non, mmh. Mais dommage. Le uh, Corey Stoll du coup l'acteur qui joue Modoc, il a réussi à faire coup double. C'est-à-dire qu'il a joué à la fois Yellow Jacket et Modoc, qui sont les deux plus mauvais méchants de l'univers Marvel, et c'est le non. même acteur. Non, non. Oh, il oui, avait... il me parle, tu vas me parler de, 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 de qui, toi Tu vas me parler de Gore non, Gore, il est nul, mais je trouve... Moi, j'aime bien Yellow Jacket en vrai, je trouve que c'est un bon perso. On est d'accord. On ne dérange pas. Mais non, pour l'instant, pour avoir revu le style, j'avais un les cloues très claires. C'est très Ça va. À la limite, je pense Yellow Jacket... Ghost à choisir. Vous vous méprenez. Vous vous méprenez. Toi, Brie, qu'est-ce que tu as pensé de Modoc Est-ce que... C'est un truc qui t'a plu ou, ou ça t'a fait rire peut-être Je sais pas. Ah bah moi je me suis tapé le pire fou rire de toute ma vie, hein, vraiment. <laughs> Heureusement on était que six dans la salle parce que sinon j'aurais gêné oh. tout le monde. À chaque <laughs> fois <que rire> qu'il apparaissait, j'étais en fou rire. Mais pourquoi Parce que tu étais mais... t'étais mal à l'aise ou parce que du coup ça te faisait vraiment rire Non, je... ouais, ça me faisait juste rire. Ok, d'accord. Donc oh, toi, ouais, son histoire du coup ne t'a pas dérangé Tu trouvais ça même peut-être logique ou cohérent oh, pff, Oui et non. Enfin, en, quand quand, quand l'histoire se passait, ça, il y avait de la logique, mais bon, je me serais pas attendu non plus euh, à ce dénouement. Ok. Euh, à qui, qui j'ai pas donné la parole là sur euh, bon, je sais que j'ai pas donné à Momo, mais on va finir sur Momo. Enfin, euh, on va euh... finir le débat su, de, sur de Modoc sur Momo plutôt. Euh, qui n'a pas parlé de Momo, euh, de, Momo de Modoc <rire> <rire> Merci, euh, Sacha. Gentil. Sacha, dis-nous tout. <laughs> Non, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, on va dire, l'histoire la plus cohérente dans ce film de merde, hein, je me permets de dire le truc, c'est l'origine story de Modoc, tu sais, genre, ça a du sens, genre, il a trop raptissime, sa tête est restée grosse parce qu'il y a eu un bug, du coup, il est devenu Modoc. Tu vois, sais, je trouve, trouve c'est cohérent. Mais il... c'est dommage de. Voilà, quoi, bon, est... il est ce qu'il est, comme tu le dis, bah, c'est un chien fait, de. Tu sens que Marvel savait pas quoi en faire, qu'il voulait quand même oui, le... Oui. le mettre pour le... le côté, bah, vous avez vu, on a mis Modoc. C'est ça, ouais. Mais et en fait, ça... il. Il voulait pas trop s'embêter avec. Ça a parti pris après, mmh. mais de le rendre... Savaient, en fait, je pense qu'il savait tellement qu'il n'arriverait pas à le rendre sympa qui Sont dites quitte à qu'on n'arrive pas à le faire de ça, autant que ce soit assumé et qu'on le rende vraiment ridicule. Non, mais je suis d'accord. Je pense que mais pour moi, c'est ça qui s'est dit en interne. C'est dommage, je hein. suis d'accord. Mais c'est pour ça que ce que je disais, voilà vraiment le pour moi, ce qu'il a de plus cohérent dans le film, c'est euh, son origine story à Modoc. Ah oui, cool. Et mmh. bon, derrière, pour que ce soit de, de la merde en boîte, mais euh, bon, après ça, c'est dans le décor. Tous les flashbacks dans le film sont cool parce que même les flashbacks avec Janet et et et, euh, et Kang sont pas non, trop alors, mal. Non, ça, non, non alors ça, je suis pas d'accord. La première scène du film ne sert à rien. Pourquoi ouais, non, tu l'as au début du film Ça ne sert le coupage ouais, du film est mal foutu est narrativement c'est le pire truc que j'ai vu au cinéma je pense ça ça, en fait, ça je suis d'accord ça je suis d'accord parce que le problème c'est que ça casse tout le mythe. pourquoi problème. on prend trois plombes à voir Kang alors qu'on l'a vu au début du oui, film ça, bah, ça, casse ouais, ça. Le, ça casse le mythe ouais. en fait tu, tu sens tu sens que la scène n'était pas du tout prévue au début que ils se sont dit on va quand même mettre ça au début pour chauffer un peu et sinon elle avait rien à foutre là surtout qu'en plus ah, il, co il commence avec cette scène là qui est euh, assez euh, pas épique non plus parce que bon les créatures elles sont pas forcément hyper fortes non plus mais euh, tu commences avec ça donc tu t'attends à voir un petit truc un peu sombre entre guillemets et boum après t'as un, un bus qui est marqué San Francisco tu vois euh, Antman qui est en train de marcher en train de lire son livre Oh, ça, ça casse un peu. Ouais, mais tout. ça, limite, ça me choque pas. Surtout que. Ah, pas... par le but, c'est ant C'est plus simple, c'est plus logique. Surtout ouais. que cette scène est pas cohérente d'être au début parce qu'ils te mettent vraiment cette scène et à vrai, tant que tu pas vu quand ils en parle en mode Ah oh non, il, il, genre personne ne le cite. Mais frère, on l'a vu au début, on ouais, sait tout. On sait, on tout. sait, on ouais, sait à quoi il, il ressemble. Tout. Tout. Donc... Pourquoi Je pense qu'effectivement la scène, a... je pense que la scène a été rajoutée, qu'elle n'était pas prévue là à mon avis. Et en plus, euh, la que scène, que en fait, c'est typiquement le monteur la du scène film qui... se un coup de boule. Et c'est typiquement <laughs> la scène qui... qui précède la scène où on le découvre pour la première fois. Donc autant le mettre d'une seule manière, mais de, enfin, genre d'un C'est ce sûrement comme ça que ça a été tourné. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça vraiment très étrange. Euh, Cyril, toi, je t'ai demandé ton avis hein, sur Modoc, on est d'accord euh, Non, non. Okay. Bah, pff, écoute, euh, oui. <laughs> bah, au moins, au moins, il a eu un certain développement. C'est-à-dire qu'au début, c'était en tocard et à la fin, c'était plus en tocard Ouais, okay, voilà. c'est positif. <laughs> c'est positif. C'est au moins ça. Bah, on essaye de trouver des choses positives, mais ouais, mais je pensais que c'est pareil quand, <laughs> quand je l'ai vu apparaître. À ce moment-là, en fait, j'ai dit, ok, c'est fini. Vraiment, je me suis dit, c'est fini, tu vois. Mmh. C'est moche, c'est. C'est pas. Ouais, donc va, aussi. Pas, pas, fan. <laughs> pas fan. Ouais, non, vraiment pas. Très vraiment. bien. Pas. Et on va finir sur euh, la masterclass supposée de, de Momo sur Modoc. Momodoc, mais non, mais si tu a pas donné son avis. Globalement, je suis ah, d'accord oui, avec non. tout ce qui a été dit. Là, du côté visuel, on se mettra tous d'accord qu'il est raté. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé l'idée de se dire que ce mec-là, euh, dont la vie avait été euh, bah, pourrie par, euh, par Ant-Man, avait l'occasion de se venger dans le monde quantique. En fait, on n'en fait rien, c'est juste un comic relief. Un espèce de développement à la va-vite où le mec passe de super grand méchant qui veut tuer tout le monde à... Il a discuté avec Cassie 30 secondes et il s'est dit, oh, en fait, je suis peut-être pas un si gros connard que ça. Hop, allez, on se retourne. Non, bah, non, c'est mauvais. Puis tout à l'heure, ils en parlaient beaucoup, mais... Ouais, en <laughs> termes de scénariste. Et puis après, même si, et même si, alors attends, et même si on avait fait switcher en mode, il devient gentil, il va se battre contre Kang, etc. En fait, même sa mort, elle est tournée au ridicule, genre... Ouais t'inquiète t'es un Avenger ouais ouais vas-y nous casse pas trop les les voilà t'es un Avenger ouais c'est bien mais c'est nul en fait c'est vraiment mauvais c'est nul mais vraiment nul voilà oh oui quel plaisir quel plaisir je t'ai rarement vu aussi euh, aussi déterminé parce que moi en bah vrai, qui... je suis... non parce qu'en fait moi ça me fait chier parce que moi, genre, je suis vraiment un énorme passionné. Marvel, c'est des personnages qui me font rêver dans les comics avant, euh, avant le cinéma. Et en fait, quand je les vois comme ça, et eh ben, ça, m'énerve et ça me, ça me touche au plus profond de moi-même de voir le gâchis que ça peut être par moment. Je suis pas en train de dire que tout est mauvais. Je suis premier à, à m'extasier devant. Euh, Eternals, j'ai beaucoup aimé Werewolf by Night, etc. Mais je suis désolé, dans l'intelligencia c'est un scandale, euh, Modoc c'est un scandale, Gore pour ma part c'est un scandale. Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs qui, qui deviennent des blagues et des scandales du côté de chez Marvel, et ça me fait peur. Euh, mais je me dis que tout n'est pas mort, on parlait tout à l'heure de l'avenir, je me dis que tout n'est pas mort parce qu'on a quand même réussi à voir Black Panther que moi j'ai trouvé cool pour le coup, et j'espère que les prochains seront bien. Mais là pour le moment... J'ai très très peur, vraiment très peur. Très bien. Très très bien. Merci beaucoup pour ce, pour ce témoignage. On est d'accord que sur ce live, Mikey aurait pleuré ou... Non, alors <laughs> sachez que Mikey, alors il nous a donné son avis, euh, et en gros, pour faire simple, il a dit, non mais le film, il n'est pas, pas si mal, euh, il y a des problèmes, il a, il a reconnu le fait qu'il y avait des problèmes, mais il a dit que bien, le film, ouais. il n'était euh, pas si mal. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, Mikey est un amoureux de la vie, d'accord. s'il oh, il pouvait, il, il en mais à si souligne fois... qu'il a des défauts, c'est qu'il sait que c'est, euh, il a vraiment des défauts au fond du fond. Si il a trouvé il a, ça mauvais. C'est ça. Mais, il, mais il, veut même, il veut quand même, chercher le positif. Mikey, c'est le genre de personne qui, quand il va dans les parcs, il embrasse tous les arbres. Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment un amoureux de la vie. Donc euh, voilà, faut le préciser. Et on, on, bah on va terminer par quelqu'un qui euh, ne l'aime plus ah, la vie non, depuis mais... qu'il a vu ce film-là. Modoc, non, mais... Momo, dis-nous tout. Bah en fait, vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. Il n'y a, y a ouais. rien à rajouter plus, mis à part le fait que bah voilà, c'est une grosse farce, ce truc. Euh, potentiel de personnage totalement gâché. Et moi, je, juste par contre, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais parce qu'en fait, Modoc aussi, dans les comics et tout, il n'est il est pas totalement euh, sérieux et tout. Et on peut un peu déconner avec lui. » Ils ont massacré le personnage. Modoc, c'est un perso que je ne connais pas. Je ne vais pas faire le mec qui, genre, j'ai lu des comics, etc. et je connais le truc. Je sais juste que par contre, le fait que le modoc de Marvel's Avengers soit mieux fait que dans ce film, pour moi déjà, il y a un problème. Déjà, en termes de visuel, et je ne vais pas revenir dessus, parce que oui, effectivement, modoc, c'est la, la personnification parfaite d'une méthode de production chez Disney et chez Marvel qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne plus. Personne ne veut bosser avec eux dans les boîtes de VFX parce que les délais sont trop courts. Et heureusement que Kevin Feggy dit qu'ils vont réduire un peu le délai par rapport aux séries, etc. Mais j'ai envie de dire, Kevin, frérot, c'est tout à fait normal que tu dis ça après les catastrophes de VFX que tu nous as filées ces derniers films et dernières séries. Donc, déjà, ça, sur la partie visée, je ne vais même pas revenir dessus parce que ça m'énerve par-dessus tout. Mais en plus de ça, le personnage n'apporte rien. Le personnage est juste là pour faire des blagues, pour souffler le chaud et le froid, parce que d'un côté, je suis méchant, j'ai envie de te tuer, mais pas vraiment, parce qu'on est un peu pote, mais t'es quand même mon en meilleur ennemi. À la fin, euh, le mec est en mode, t'as toujours été mon frère Scott, pourquoi faire Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc Le sacrifice, on va pour en parler, parce que c'est la chose la plus ridicule qui soit arrivée dans le film. Et en plus de ça, euh, ouais, moi je suis désolé, en fait, il euh, y, y, a, y, a, y a des choses qui ne fonctionnent pas avec ce personnage, qui sont, encore une fois, l'exemple parfait de ce qui ne va pas chez Marvel en ce moment. C'est-à-dire travestir des personnages de la pire des manières, leur donner aucun enjeu, leur donner aucune profondeur, faire en sorte que qui soit là ou qui soit pas là, ça ne change strictement rien, bref, éclater au sol. Donc je vais pas euh, faire une tirade de 5 minutes, c'est un personnage à chier, c'est un personnage qui a été gâché, c'est un personnage que je ne veux plus revoir et que j'ai aucune envie de redécouvrir par la suite sous quelconque manière. Et si Marvel arrive en mode, oui, en fait, il y a un variant de Modoc qui arrive quelque part, on s'en bat les couilles, puissance 10, parce que le personnage a été gâché. Et je trouve que c'est catastrophique pour une écurie comme Marvel, qui a des personnages qui sont vraiment très nombreux, de gâcher. Petit à petit, autant de personnages qui pouvaient être cool. Intelligence, je ne connaissais pas parce que je ne suis pas habitué des comics, donc pour le coup, je ne pouvais pas forcément statuer l'étendue du gâchis incroyable qui a été fait avec She-Hulk. Mais si compte les ramener plus tard, ça n'aura absolument aucun intérêt. La seule fois où on a eu une organisation ou un personnage qui a été bien travaillé par la suite, c'était pour, on va dire, les Disanou. On va dire. Oui, le mandarin où ils s'en sont bien sortis. Catastrophe, ils ont bien refait ça dans Shang-Chi. Mais les gars, euh, le but de faire un film, une origin story sur un autre héros, c'est pas pour attraper les conneries que vous avez fait il y a cinq ans. L'objectif, c'est quand même de développer un bon personnage et une bonne organisation dès le début. Là, pour la suite, franchement, c'est chaud. Donc, moi, je conclurai juste en disant que c'est un film éclaté au sol, que honnêtement, je n'irai pas le voir une seconde fois parce que je considère que je n'ai pas de thune à donner à Disney et à Marvel pour ce genre de production, que c'est un film qui se fout ouvertement de la gueule des spectateurs, ouvertement de la gueule des fans hardcore de Marvel, et que si ça continue comme ça. Ça va vraiment devenir très tendu pour Marvel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode Ouais, il y a un petit totem d'immunité parce que c'est Marvel qui nous font kiffer, etc. La vérité, c'est que le MCU s'est jamais aussi mal porté depuis qu'Endgame s'est terminé. Qu'on n'a jamais eu des phases autant en dents de scie, que toutes les conneries qui ont été faites dans la phase 4, on imaginait que ça allait être corrigé. Là, pour le moment, la phase 5, je suis désolé, comment commence juste super mal. Donc le prochain film, c'est Gardien 3. Honnêtement, aucune envie, aucune hype. Pareil pour The Marvels et pour les séries. Imaginez qu'il foire Loki. Si ils osent faire oh les saison 2, mais là ce sera juste une catastrophe totale. Et ça va vraiment se faire ressentir sur la fanbase et aussi sur les thunes. Sacha le disait au début. Donc et faut arrêter vraiment... de se foutre de la gueule des gens. J'ai vraiment l'impression d'avoir payé 200 euros pour suivre une master class d'un de 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 quelqu'un là <rire> vraiment formation gratuite. C'est gratuit. C'est ouais, gratuit. gratuit. Ouais, oui, oui. <laughs> parce que ça fait ça fait ça fait genre plusieurs jours que j'ai envie d'en parler et tout et je vois sur Twitter des contre arguments qui sont éclatés au sol. Personne m'a convaincu que le film avait des bons côtés sur certains points, tu vois. Enfin, je suis désolé, toutes les excuses qu'on m'a sorties, c'était "Ouais, oh, mais attends, c'est un film faut vous à quoi Je sais pas être respecté, frérot." Alors, heureusement que j'ai pas payé ma place. Mais imagine ceux qui ont payé leur place. C'est un truc de ouf, genre. C'est un irresponsable. Vraiment, c'est le pire argument, je trouve. Hmm. C'est un film Argument. mais ça veut dire, ça veut dire quoi, quoi en fait Tu acceptes d'avoir de la merde parce que c'est ah. un film Ant-Man. <laughs> Donc ça veut dire que les deux derniers films, ils ont été pas très bons Du coup, on accepte que le troisième soit éclaté Mais les gars, réveillez-vous, putain, c'est Disney quoi. C'est Disney C'est. Il a coûté combien le film 280 millions, 200, 290, un truc du genre. Tu fais une merde pareille. Ah, Peut-être moins, bon, hein, mais euh, ouais. Peut-être pas quand, il quand paye même. Paye des scénaristes, frérot. Je pense enfin, que c'est plus à 200 millions qu'à 280, mais oui, effectivement. Bah, pour 200 millions, je suis désolé. Pour moi, il y a vraiment un truc qui va pas dans la manière de produire, dans la manière d'écrire, dans la manière de vraiment de créer ces personnages et de les faire évoluer. C'est tout ce que j'aime pas dans le MCU, ce qui a été fait. Enfin putain, la phase 3, c'était une Tu C'est ce que j'ai l'impression a... de voir là. C'est ce que j'ai l'impression de voir. Kassi Lang qui fait tu sais, son message à toute la population ah, ouais. pour <laughs> avant se avant d'aller. <laughs> mais, mais là, mais là c'est crédible, là c'est crédible. Alors que Kassi Lang, ça n'a aucun sens. mais ça n'a aucun sens. Cassie, elle est insupportable pendant tout le film. Mmh. Elle a un costume, mais mmh. Arma, mmh. elle, le, elle, le, elle active uniquement quand elle est en danger de mort. On ne sait pas trop pourquoi. La résistance, ils la connaissent depuis quoi, trois heures. Enfin, à même temps dans le monde quantique, tout est relatif. Et les mecs ils disent ok, on va te suivre. La résistance, elle est éclatée au sol. On n'y croit à aucun moment. Les personnages sont nuls. Donc en fait, finalement, t'es là en mode, bah, ok. T'as des méchants qui sont éclatés, sauf Kang qui essaie de sauver les meubles, mais qui se fait quand même défoncer par des fourmis, par un argument scénaristique éclaté, ramené à la fin du film. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Et moi, honnêtement, j'ai jamais été comme ça en entendre un Marvel. Je suis de ouf, quoi. Waouh. Désolé. Donc, pas, pas, du coup, on veut pas des Young Avengers parce que Cassie, elle sert à rien. Non, mais... Les enfants de Wanda ils sont de... flingués. Iron Heart. <laughs> <laughs> Iron Heart, on n'en veut pas. Non, mais il voilà. <laughs> y a Kate Bishop. Ouais, bah qu'il fasse un film que... sur Kate Bishop. Bishop. <laughs> c'est enfin, tout je raconte qu'elle est bishop perso après hein. enfin, oui, ah bah oui c'est pour ça ah, je rigole je rigole, je rigole. Ouais, mais je suis d'accord sur le, le côté euh... momo Cassie a plus de dialogue euh... que hop oui c'est vrai non mais, non, mais, non, mais non. en vrai qu'on rigole mais on oublie quand même que le titre c'est Ant-Man et la guêpe il oui, ouais. y a, y a le, ça, le mot guêpe dans le titre c'est ça c'est quand un même problème, fou que c'est fou que hop serve à ce point-là rien non mais c'est la vieille guêpe tu sais c'est Ant-Man et la maman de la guêpe ah oui, c'est Janet c'est ça c'est pour ça c'est la nuance elle s'appelle c'est la guêpe possible c'est la, la nuance mais faut, faut le est bon, en vrai je suis intelligent Marvel hein. on leur fait il, pas comme ça ils pourraient tourner le truc en se disant mais oui c'est aussi elle la guêpe, donc ils pourraient tourner ça c'est <laughs> ça, <rire> ça <rire> il mais, pourrait mais le pire ils pourraient le faire c'est mais... ça le problème tu vois. après moi je vais faire mon rabat-joie mais tout ce que souligne Momo ça fait un moment qu'on a ces soucis là ah oui, oui mais c'est que... pas fait, nouveau chez Thor. Je suis d'accord, mais en fait, je pense que c'est ce que certains oublient. Pour moi, c'est qu'il y a un effet accumulation qui est ultra important. Et que là, on passait dans une nouvelle phase, on était en mode, bon, on, ok, on a eu des films ah, qui n'étaient oui. pas ouf, comme Thor, etc. Mm. Surtout les séries, je pense à, à chez Hulk, etc. Là, il là, y avait l'accumulation, on commençait ah, une nouvelle phase, on espérait un peu relancer le truc avec bah, le grand méchant et tout. Et au final, tu vois les mêmes problèmes. Donc c'est là où c'est un peu chiant. C'est qu'il y un effet accumulation. Je suis d'accord, mais j'aurais tendance à dire. Alors, tu vas peut-être me, me contredire, mais j'aurais tendance à dire que Ant-Man, c'était peut-être parmi les derniers projets oui. de, de cette phase post-Endgame, tu vois ce que je veux dire Et après, où il y a eu plus ah, de réflexion mais... après les premiers retours de la, de la phase 4, tu vois ce que je veux dire ou pas bah À ce moment-là, The Marvel sera le même défaut. Hein. Oui, ah. non, mais je suis d'accord. Mais peut-être qu'après, derrière, quand on va se tourner vers, vers Blade pas longtemps, mais euh, les autres films qui arriveront derrière, peut-être. C'est possible qu'après The de ce, Marvel, ce... on voit une différence. Mais bon. Euh... Tu vois ce que je veux dire Bon, Loki saison 2, à mon avis, tu vois, ça peut jouer parce qu'il y a déjà eu. à ah, Loki quoi que ça date. Ouais, ça date. Euh... Espérons ouais, que quoi, Bob a... Hager, euh, redresse bon, la barre. Quoi. Encore ouais. de la merde cette année, mais l'année prochaine, vous inquiétez pas, <laughs> ça ira mieux. <laughs> Après, il faut, effectivement, il faut quand même noter qu'il y a un changement en interne du côté de Disney, qui a aussi de grosses conséquences. On, on se rend pas toujours compte, mm -hmm. mais euh, s'il y a eu des enchaînements un peu pas ouf, c'est je ne vais pas remettre toute la faute sur Bob Chapek, mais euh, ah, disons bien. que c'est bien, bien qu'il soit parti. Donc euh, <laughs> ça, ça peut aussi jouer. S'il y a des grosses stratégies, c'est pas... Enfin, un après, Bob Chapek, ok, par contre, s'il euh, y, y a une personne aussi à qui on doit attraper la veste d'urgence, c'est Kevin Feige également. Parce que je suis désolé, hein. euh, lui, globalement, il a aussi son mot à dire. Oui, il y a aussi alors, des décisions importantes qui ont été mises de Il ne faut pas à tout, mais il euh, y a des trucs que c'est Bob Chapek qui demandait. Hein. Donc euh, il faut quand même nuancer. Euh, Kevin Feige il, il, y a, il, avait, il a perdu beaucoup de, 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 fin, fin, de ce qu'il faisait euh, quand donc il y avait Bob Chapek à la direction hein. faut, ça c'est ce qu'on ne se rend pas toujours compte mais il y a des trucs où c'était des commandes de Bob Chapek donc il faut faire gaffe tu vois, sur les nuances heureusement que c'est barré. Alors. et vas-y Laura du coup mais, et moi, je suis pas d'accord avec les personnes qui disent que faut, faut arrêter de prendre trop sérieux, qu'il faut prendre à la rigolade et tout. Moi, je suis le MCU pour justement avoir du spectacle, avoir un truc grandiose, avoir du sérieux, avoir une vraie histoire. Tu vois, suis vraiment un truc qui est immense. Je viens pas voir des euh, des sketchs en fait. Genre vraiment, euh, je veux bien de l'humour dans les films. Il y a pas de souci. Il faut pas en abuser. Mais le truc de faut le prendre à la rigolade. Bah non, mon reuf. Genre, je viens, je paye ma place, je m'attends à du spectacle, à vraiment à sortir et faire. C'était incroyable, pas à faire. Trop drôle le petit bonhomme place qu'il a refait mon film. Non. Genre. Faut arrêter. Après, tu vois, par rapport à ça, excuse-moi un mot, je me ouais, permets laisse. de dire que je pense que Marvel, ils sont en train de suivre un, euh, un, un modèle qui, a été, qui était déjà un peu le cas avant, mais qui a été surtout un moteur à partir des gardiens de la galaxie, euh, avec le style de James Gunn, euh, humour mêlé à l'action, qui était très bien fait d'ailleurs pour moi jusqu'à la, jusqu la fin de la phase 3. Et, euh, et je pense que ça commence à être un peu obsolète. Et d'ailleurs, ça se voit dans, dans, les nouvelles, dans les nouveautés de James Gunn, euh, qui, qui change légèrement sa, sa manière de faire, tout en gardant ce côté humour-action. Euh, Parce que pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment le modèle pour des films de Marvel jusqu'à la fin de la phase 3, et même encore aujourd'hui. Et, et je pense que, bah, en fait, c'est simple. Il faut arrêter d'avoir des, des Yes-Man et avoir des putains d'artistes qui disent, OK, peut-être qu'on peut continuer à faire comme ça, mettre de l'humour, mettre de l'action, mais de manière un peu, plus, euh, un peu plus recherchée, un peu plus ouais, euh, intéressante. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il euh, y a des Yes-Man, on est d'accord que John Watt, on est d'accord que c'est un Yes-Man, etc. Oui, oui, Il n'y a oui. pas de souci. Mais tu vois, c'est ça que je trouve tellement horrible, c'est que tu as des trucs en danse, tu as du Zhao et je suis désolé, contrairement à la vie populaire, euh, éterneuse, il est vraiment super, mais tu as oui. aussi paradoxalement du John Watt, tu vois. Et je mais euh, les gars, vous avez une vision vous n'avez pas une vision, en fait euh... bon, enfin, En fait, enfin, le truc... Parce que... tu peux le mettre avec John Watt. C'est hein, étonnant il avec John Watt. Mais c'est -ce fout la, après, la, la, plupart des, <laughs> la plupart de ces films-là, en fait, c'est parce qu'ils fonctionnent aux états unis et ça plaît aux Américains. Et nous, en vrai, nous, on a beau s'insurger comme on le fait là, ça ne va rien changer malheureusement, dans le sens où on n'est pas le marché prioritaire. Ah mais, mais je, de je je suis un Américain, moi je suis ricain, je... Enfin, les Américains ils se rendent compte que c'est de l'irrespect bah visiblement non parce même. que ça va le film va supposément ah, marcher et ils vont continuer là dedans je l'espère pas enfin je, je vais pas je, 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 leur, je leur tire pas non plus une balle dans les jambes pour dire arrêtez ce film. Ah, US mais à un fait moment donné, aussi. Hein, un non mais haut. Je pense que nous, peut-être, on a cet aspect peut-être un petit peu plus critique que là-bas, dans le sens où eux, c'est vraiment la culture du divertissement, eux, ils veulent rire, etc. Nous, on est plus dans la recherche possiblement esthétique, etc. Alors, c'est pas forcément ce qu'on demande à un Marvel, et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure avec Eternal, tu vois, on, on recherche quand même ça avec ce genre de yeah. film. Mais dans un film, enfin, dans, dans un univers comme ça, on a aussi une volonté d'avoir des histoires qui sont racontées, comme dans les comics, pour ceux qui en ont lu. Euh, et, et là, pour l'instant, en tout cas, c'est comme vous l'avez dit, ce n'est pas le cas, dans le sens où, que ce soit au début ou à la fin, ce film est oubliable, dans le sens où il n'existe pas. Ça ne change rien. On pourra regarder oui. en, euh, Avengers The Kang Dynasty sans avoir vu ce programme-là. Et ce qui est fou, c'est que même Loki, saison Et... 1, alors que c'est une série, est plus importante pour l'instant, selon moi. Que ce film-là, parce qu'il ne change absolument rien. Ce film-là, comme vous l'avez dit. Donc... Moi, moi, je trouve que ça, ça, ça va plus loin que ça, Warren. En, en vrai, en vérité, je, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends que le public soit pas le même, qu'il ait pas les mêmes attentes, mais ça va au-delà de tout ça. Quand on va voir un film au cinéma, sans forcément attendre euh, une, une réalisation ultra recherchée, des plans ultra travaillés, une, un étalot au top, etc. On cherche juste à être respecté. Je redis ce terme encore une fois. C'est du respect qu'on qu attend en fait. Là, un ricain je suis désolé. Même s'il veut juste un bon divertissement, où il peut vraiment poser son cerveau et suivre un univers. Avec des personnages qui kiffent là avec Ant-Man, le contrat il n'est pas rempli, il ne peut pas être rempli dans un film, mais qui est une bouillie d'effets visuels, dans un film qui ne raconte strictement rien. Alors, il y a des films qui racontent strictement rien, mais qui sont divertissants parce qu'ils ont des qualités qui sont ailleurs dans leurs personnages, dans leurs scènes d'action. Là, honnêtement, je retiens rien du tout. Le film ne raconte rien, le film n'est pas beau visuellement, les personnages sont éclatés, leur caractérisation est nulle, ils ont aucun développement. Ça ne raconte rien. Ah, comment un mec peut se dire raisonnablement, oh, j'ai posé mon cerveau, c'était cool. T'as posé ton cerveau devant rien <laughs> du tout. On est bien enfin, d'accord, dire... on est bien d'accord, mais quand tu vois que, et, et je... alors je pense qu'on n'est pas tous unanimes, mais quand tu vois un Thor Love Thunder qui fait 700 millions au box-office, c'est que ça plaît. Et en vrai, je suis oui, Marvel. Thor a fait mieux qu'en pour le Co coup. Comment Thor a fait mieux Quentman quand Zwaasque manière sur 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 certains points. Euh, il n'a pas terminé. Ah oui ah oui mais pour moi Thor 4 est mieux que Quentman 3. Euh, euh, oui. Non mais dans, dans désolé euh, sens... CG. mais. Non mais, je le, non, un... mais je, je le pas je le dirai pas publiquement mais je <laughs> suis pas loin de le penser quand même quoi. Oh bah c'est ouais, si ouais. vous l'avez vu on va on va crop et on va le on va le mettre sur Twitter ne <laughs> ah, t'inquiète <laughs> pas on va te cracher dessus. Non mais vous voyez ce que je veux dire c'est que en fait le truc c'est que ça marche malheureusement. Nous on s'insurge de ça parce que c'est pas ce qu'on veut. En tout cas pour la plupart. C'est pas ce qu'on veut nous. Nous on veut des histoires qui soient cohérentes. En fait on veut ce qu'on a eu. Auparavant, comme avec les trois premières phases. Mais visiblement, là, on part sur autre chose. On a des séries, on a des films, on a des specials Tu vois, c'est des... pas forcément des choses qu'on avait avant. Donc, c'est encore plus compliqué pour eux. Alors, je les défends pas du tout. Hein. Ce film, c'était vraiment nul à chier. Désolé de le dire, mais c'était vraiment nul. Euh, pour moi, c'est l'un des pires films qui a été fait actuellement dans le MCU. Et j'ai pas peur de le dire parce que c'est le cas pour moi. Bon cinéma, hein. Mais ça va marcher parce que c'est du divertissement, parce que c'est marrant de voir une grosse tête mal faite, parce que justement, il y aura le bouche à oreille. Regarde Venom 2. Venom 2 a marché. Alors tu me diras, c'est aussi en lien avec Tom Holland à la toute fin, mais il a marché parce que c'est du oui. divertissement, parce que les gens, ils se sont dit, ah, c'est marrant tout ça. Et c'est Spider-Man Et, Spider Et c'est Spider-Man aussi. Spider oui, mais du coup, nous, nous, on s'en fout, tu vois, parce que nous, on, on, on se dit, mais les gars, on ne peut pas regarder ça, c'est pas possible. On regarde un film ou on regarde euh, un sketch, comme l'a dit euh, Elonie tout à l'heure, c'est un problème, je suis d'accord avec vous. Mais, ah, mais... Les, les Américains, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que nous. Mais je suis... Tout ce que tu as dit, ça veut dire que. Dans ce cas-là, ça veut dire que là, et, et donc raisonnablement, et c'est ça qui est terrifiant encore une fois, on est vraiment en train de partir du postulat qu'à l'avenir, le, le genre de film super-héroïque va devenir une vaste farce. Non. Les non, prochains non, projets. Et moi, j'ai du mal à penser ça, dans la mesure où aussi les gens avaient apprécié du The Dark Knight, par exemple, où c'est un film... Généralement, tu poses ton cerveau 30 secondes, c'est un peu étrange. Généralement, tu as quand même tendance à être vachement investi. Et aussi que Nolan, il avait fait quelque chose de génial. Euh, mais si là, l'avenir, c'est ça, c'est donc des vastes blagues pendant deux heures, avec des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est une catastrophe. En fait. C'est une catastrophe parce que c'est les films qui pour... marchent le plus au cinéma aussi. Hein. Donc, euh, je, coup, oui, hein. non, mais je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, il n'y a aucune chance que ça continue comme ça. Déjà, dans le sens que Mathéo l'a dit, mais euh, l'histoire des changements de Bob déjà, ça, ça a beaucoup joué aussi sur le fait que sur ces dernières années, ils se sont concentrés sur Disney parce que c'est bah, la guerre du streaming, etc. Et donc même quand Landry disait que il, le gros de l'histoire, le plus gros qu'on avait pour l'instant avec Kang et tout, ça se passait dans une série, bah, c'est fait exprès parce qu'ils veulent attirer des gens sur leur plateforme, etc. Et c'est 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 sûrement non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Que... Mais du coup, pour la continuité des films dans, dans ce genre-là, ce que je veux dire, c'est que à mon avis, là, Marvel est vraiment dans une mauvaise phase. Et je pense, bah, ce serait naïf de penser qu'ils sont pas au courant. Ils sont très bien au courant que, euh, que euh, même si aux États-Unis, imaginons, ils kiffent, ils sont très bien au courant que euh, le, les pays orientaux, ils trouvent ça beaucoup moins bien, etc. Et justement, le, rien que le fait qu'ils aient essayé de prendre, par exemple, Chloé Zhao, euh, qu'ils aient laissé euh, Sam Raimi faire son euh, Doctor Strange, etc. Pour moi, c'est déjà une progression sur la bonne voie, en fait. Et c'est pour ça que, si on doit revenir vite fait sur la phase 4, je pense que même s'il y a beaucoup de mauvais et c'est très triste après Endgame, eh ben, c'est quand même sur la très bonne voie pour l'avenir de Marvel. Et je te dirais que, alors, moi, je, je veux pas du tout comparer d'ici par rapport à ça, surtout not notamment avec les, les gros changements qu'ils ont en ce moment. Mais euh, ils ferment pas les yeux en fait, et je pense qu'ils vont être très bien au courant quand ils quand ils voient The Batman, quand ils voient Joker, etc. Quand ils voient des recettes de films avec du parce que Marvel ils veulent du fric c'est Disney. Quand ils voient des films avec peu de budget qui font énormément de fric, ouais. ils sont en mode bah attendez les gars, nous aussi on veut faire ça. Et je pense que sur Disney Plus, par exemple notamment avec Watch by Night, ça peut avec les spéciaux ça peut être une idée de se dire low budget faire du contenu pour beaucoup de gens, etc. Tu vois? Mmh, ouais. Donc, Donc, pour la suite. Hein. J'aurais du mal enfin, à croire qu'on continue... Enfin, qu un, un peu de truc sujet comme là, mais, Bien euh, sûr, sinon, non, mais de, 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 de non, toute façon... Non, parce qu'en euh... fait, on est obligé, parce que genre, le film, il est symptomatique d'un problème ah, qui peut-être va être passé à l'avenir, ouais. parce que là, peut-être qu'Antman est vraiment le, le reliquat, le résidu de ce qui n'allait pas, mais on est obligé d'en parler, parce que là, franchement, c'est symptomatique de ce qui va pas, en fait, chez, chez Marvel. Hmm. Je vais du boire coup... une tisane. <laughs> C'est bon, non. tout le monde s'est calmé un peu, on va pouvoir euh, peut-être parler, bon on va arrêter de parler du film, on va parler des scènes post-génériques peut-être à un moment donné pour savoir ce que cela peut évoquer, enfin ce, ce que cela évoque, ce, je sais même pas parler, vas-y débrouillez-vous, tout à l'heure je parle même pas en plus, merci beaucoup <laughs> à toi, voilà, euh, mais du coup en vrai je vais, on va faire comme pour le 100% Marvel, on va parler de la deuxième scène d'abord, et bah qui de mieux pour parler de Loki que, que Brittany, du coup euh, Brittany, qu qu'est-ce euh, qu que tu t'attendais Enfin, euh, qu'est-ce que tu attends en fait avec, euh, avec cette seconde scène post qui est en lien avec Loki, personnage qui, je crois, est l'un de tes préférés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est l'un de mes préférés, j'ai littéralement hurlé dans le cinéma quand je l'ai vu. <laughs> Même si je mettais <laughs> Facebook sur TikTok, donc euh, ah, je savais que c'était là. Ah ouais, mais... ah, ça c'est aïe, aïe. Ah, ouais, j'ai fait une vidéo sur Loki et quelqu'un m'a dit « Ouais, t'as vu la deuxième scène post-credits crédit et je me suis Oh non ». Aïe, aïe, oh, le non, c'est Ne ah, dis pas ça. Encore, t'as <laughs> pas eu l'image, hein, parce que ça, ça va non, dire. Non, non, j'avais pas vu ce qui allait se passer. Mais euh, quand même. Mais du coup, je suppose qu'on sait que c'est. Enfin, que vu que ils sont avec la TVA, tout ça, je suppose qu'ils sont partis dans une autre timeline ou dans le passé. Donc, euh, à voir ce que ça va réserver. Quel Kang c'est aussi. Est-ce que c'est pas celui qu'on a déjà vu avant ou, ou est-ce que c'est quelqu'un. Enfin, une notre réalité, on verra. Mais je l'espère juste qu'ils vont pas foirer la saison 2, parce que la vérité, il faut les gardiens et il faut Loki. Moi, j'abandonne Marvel. Hein. Ah, ouais, carrément, euh... ah ouais, non, je suis désolé. Si foirent les deux là, c'est mort. Je, je, je comprends, je comprends bien sûr. Euh, non, je, ça, juste, euh, j'avoue ouais. que je vais, je vais, faire le gros noob, mais euh, ah oui, bah, bah oui, j'ai pas vu la série. <laughs> Alors, je, je, je suis sorti du cinéma parce ouais. qu'en fait, j'ai vu la première. Ah, ah, ah. ah bah yes, il, a, il, est, il est même parti. Ah euh, non c'est bon, il est revenu. Il y a des personnes qui se sont levées oh. avant. Oh. Non vas mais vas-y, vas-y, je t'en prie. Je disais que j'ai vu la première scène euh, post-générique et il euh, y a des personnes qui s'étaient levées avant et j'étais là en mode, regarde-moi ces, ces non-connaisseurs qui partent avant la fin d'un film Marvel, euh, fois, et qui hein, connaissent rien. <laughs> et euh, bah, du coup j'ai regardé la première scène post-générique, j'ai dit ok super cool, je me suis levé, je me suis barré. <laughs> et, euh, et donc en prenant après les... sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'il y en avait une deuxième. Ah, yes, il a tout explosé. Yes, Alors, du et, coup, du euh, coup, tu je... sais pas ce qui se passe dans cette scène, pas générique. Alors, je l'ai vu rapidement, mais en okay. sale cataphée. Euh... Non. Okay. non. Non, <laughs> non, c'est <laughs> pas vrai. <c> vrai. <laughs> en gros, tu as, t as euh, un mec qui s'appelle Victor Timely, qui est un variant de Kang, donc euh, qui est un inventeur. Et tu comprends que ça se passe dans les années 20. Et en gros, il est en train de présenter une invention à un, un panel de gens de l'époque. Et tu vois Loki et Mobius, donc deux personnes. Bah, Loki, tu connais, je pense, mais Mobius, tu n'as oui, pas oui, vu la sûr. saison 1 de Loki, à mon avis, tu vois pas qui c'est. En tout cas, c'est Owen Wilson, l'acteur qui le joue. Euh, et ils okay. travaillent tous les deux à la TVA, qui sont en train. Enfin, c'est en gros la police du temps. Ils s'assurent qu'il n'y ait pas de de d'accro de, de, avec le temps enfin bref et euh, du coup il voit euh, Kang et Loki par rapport à la fin de Loki une en fait le truc c'est que tu peux pas comprendre parce que t'as pas vu la saison 1 ouais, mais en très gros grave, et il voit il voit Kang et ils se disent mais en fait c'est lui le mec hyper dangereux dont on nous avait parlé et, euh, et Loki dit oui c'est lui et genre en gros il fait comprendre qu'il faudra quand même faire attention à lui parce que même si là il a l'air mignon euh, ça reste un variant de Kang donc voilà c'est ça mignon, la, hein. la seconde scène oui, il a l'air sympa le petit bonhomme, oui, bien, bien, quand, bien, 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 même, bien, quand même. Bien. Ouais. Bah toi du coup, euh, Elonie, cette scène pas générique numéro 2, à tes souhaits <rire> <rire> oui, Merci. <laughs> Dis-nous tout. <laughs> euh, bah, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, tu sais que du coup j'ai pensé à toi puisqu'on avait fait le live Twitch avec Momo juste... Euh... Oui, c'est vrai, en live d'anthologie hein, bien sûr. Oui, et on avait dit que ça se trouve, ça pouvait être l'ouverture du coup de la saison de Loki. Et du coup vraiment quand j'ai vu Loki apparaître, j'étais en mode... On est des génies! Non mais! Et euh... <laughs> ouais, j'étais là en mode, oh, j'avais dit! <laughs> Une théorie qui s'est pas foirée. Et euh, non, mais j'ai vraiment genre, euh, adoré. Et je trouve que toutes les questions qu'il y a autour, c'est trop trop bien. Mais d'un autre côté, après, quand tu vois le film et tu vois ça, tu te dis est-ce que je devrais pas baisser un peu mes attentes sur ce qu'on peut me teaser Mais, euh, mais j'ai trop hâte parce que tu as tellement de questions sur euh, est-ce qu'ils vont faire une chasse aux variants euh, Est-ce que c'est un variant qu'on a déjà vu Est-ce que c'est euh, un personnage qui va devenir important Est-ce que c'est un Kang où on va avoir un autre Kang gentil qui va essayer d'aider euh, le, le TVA et tout La TVA, pardon. Le LA, la TVA, TVA. le TVA, ouais, ouais. Bon, je sais pas, comme tu veux. Ok. Mais, euh, mais j'ai trop trop adoré et revoir Loki et d'avoir enfin quelques images. Euh, non, vraiment, j'ai adoré. Et vraiment, euh, ouais, j'étais trop contente et j'ai rien de plus à dire. Voilà. <laughs> bah, c'est parfait. C'est parfait, je te remercie beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, mais en plus on en avait parlé du coup avec... Euh... Avec le Momo et, euh, et justement, alors là il faut il faut que je lui donne ce, voilà, son, son petit quart d'heure aussi euh, positif ah peut-être. Mais... Non, non, mais c'est bon Là par contre, vu que t'as beaucoup parlé et que t'as fait de masterclass sur tout euh, ce live là, je te mais... laisse Pardon. 10 secondes pour nous donner ah, ton mais avis. C'était bien Ah oh, non mais c'était bien, c'était bien, j'ai bien aimé. Ok. C'est tout. Et t'avais bien voilà. aimé la saison 1 de Loki, toi ah, oh, c'est le Masterclass, moi! Okay. Alors, ouais, Donc, ça, ça te suffit, enfin, t'avais même pas forcément besoin de ça, mais ça te suffit quand même à aller voir la série, quoi. Moi, ça me, ça me suffit, euh, okay. vraiment, euh, pas de soucis. J'espère juste qu'ils vont pas à la forêt, mais ouais. Attends. Mais d'ailleurs, alors, j'ai une question pour toi, Cyril, parce que j'ai pas, pas pensé à te la poser. Euh... Ah, mais non, je suis con, tu l'as pas vu. Mais du coup, de ce qu'on t'en dit. On a pensé quoi? De... Oui, non, j dire... en fait, je suis con, j'avais oublié que tu l'avais pas vu, j'allais te dire, mais du coup, en, est... en l'ayant vu, est-ce que ça te donne envie d'aller euh, sur Disney Plus? Parce que du coup, en fait, je pense que t'es aussi la cible de ce genre de scène pas générique parce que te mmh. ramènent vers Disney Plus et vers les, les saisons enfin les, les, les séries tu vois mais vu que tu l'as pas vu je peux pas vraiment te poser la question ouais, mais euh... ouais non, oui. dans tous les cas j'imagine que, euh, que que ça m'aurait pas ça m'aurait pas suffi je pense ok enfin, Attends, le l'office c'est super important hein, pour le coup euh... enfin, en tout ouais, cas mais... pour la suite. En, en fait justement j'ai du mal j'ai du mal un peu avec ce, ce, cette idée un marketing de de pousser les gens sur une autre plateforme à payer un abonnement pour suivre la suite en fait juste ça dans l'idée ça me dérange c'est okay. vrai que si je peux m'en passer tant mieux mais bon euh, va peut Alors, par contre j'imagine juste les gens qui n'étaient pas au courant que Loki était encore en vie du coup ils vont est... rien comprendre mais par contre je lui, sais pas je... si c'est que en le vrai. cinéma interdit ça mais je sais pas pour la Disney mais pas genre en mode euh, plus sur Disney plus tu vois à la fin du truc mais je sais pas s'ils ont le droit de faire ça au cinéma ah, parce que tu sais pour le grand public euh... certes ils voient Loki ah, mais ouais. quelqu'un qui vraiment suit pas le truc ah, il sait pas quoi ouais. ouais, ça fait référence tu vois parce pour que... moi je dirais qu'ils ont pas. pas le droit puisque c'est une concurrence indirecte quand même ah, je sais pas en fait où est la limite tu vois genre parce qu'en vrai il euh, y a bien des moments des films qui font des références à Netflix et tout donc euh, tu vois alors ouais, tu as même des fois des, trails, des pubs Netflix ça, au cinéma tu vois C'est ça ouais euh, voilà, tu cinéma, prends ouais, des ouais. pubs Netflix par exemple monde que, extérieur Je sais pas, pas si ouais mais après tu vois il y a peut-être une proportion je sais pas je sais pas si les cinémas c'est un truc qui est interdit parce que stratégiquement parlant si tu mets euh, Loki revient sur Disney plus pour sa série euh, genre mm. tu attires plus de monde tu vois ouais. Pas, vrai ouais. question que je sais en pas. En plus je... tu précises que c'est une saison 2 donc ça ramène les gens vers la saison 1 qui n'ont pas vu donc ouais, c'est vrai que ça peut euh, <laughs> ça peut ça peut jouer dans ce dans ce dans ce, dans ce truc là. Toi euh, CG euh, Loki, bon euh, est-ce que ça te ça te hyperait la deuxième saison notamment par rapport à cette scène-là ou pas du tout La deuxième saison me hype mais pas par rapport à cette scène-là et euh, je vais utiliser mon quota d'aigreur pour ce soir. <laughs> en fait, moi les scènes post génériques, c'est cool mais en vrai Vraiment, je vais être très honnête, j'en ai plus rien à foutre des oh scènes post-génériques. Oh non, la monétisation cool. Oh non Oh non, oh, non. Oh, mais en vrai, c'est cool. cool à voir, mais si c'est pour ensuite aboutir à, à, à des films comme on voit derrière, et on a été hypé pour ça, entre guillemets, donc je préfère voir les films ou les séries, je regarderai bien évidemment, mais euh, en vrai, moi, les scènes post-génériques, c'est plus ce qui me fait vibrer, quoi, vraiment. Ok, d'accord. C'est bien, en fait, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'aime les afters, c'est qu'on a tous un avis totalement différent, différent hein. tu vois. Et même si on a aimé ou pas du tout, on a toujours des petits trucs qui, qui, qui changent, tu vois. Et Anto, bah voilà, tu sais quoi, boom. Il, a, il a insulté CG, bah je te bloque pendant euh, et 30 secondes. Allez, arrête, ça marche. ban les gens, 3, parce un jour, après, on saura pas comment les déban. Euh... Oui, alors j'ai ouais. ban une fois Seb et il peut plus revenir sur la chaîne. <laughs> mais ah, bon, oui, c'est euh... pas très <laughs> D'ailleurs, j'ai vu qu'il était là tout à l'heure, donc euh, je le salue bien sûr. Euh, de... bah toi Mathéo bon, on en a vite fait parler mais bon Loki c'est pas une série qui te <laughs> plaisait trop de base mais est-ce que ça ça t'a donné en... un peu plus envie même si bon pour le non, travail plus, tu vas la regarder non, cette série mais euh... ça m'a pas donné plus envie mais je suis curieux de voir où ça va aller après okay. Loki c'est genre pour le coup je trouve que c'est une des séries Marvel où certes c'est pas ma préférée parce que je n'ai rien à foutre du personnage de Loki mais je dois avouer que c'est l'une des plus qualitatives pour la première saison du coup j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont proposer mais non c'est pas un truc qui m'a plus hypé que qu'avant Okay. Ça peut être cool, mais ça dépend ce qui. Est... En fait, est tellement. Enfin, il y a tellement pas d'infos sur ce que ça va être réellement que, mm -hmm. pour l'instant, j'ai. peut-être un premier trailer pour être plus excité. C'est vrai. Euh... Sachant qu'on n'a toujours pas de date. Alors, pour l'instant, de euh, bah, toute façon, on l'a évoqué tout à l'heure avec 100% Marvel. Normalement, il devrait y avoir pour l'instant que deux séries. Euh, donc, c'est Invasion et Loki. Loki est Très censé bien. sortir pour l'instant pour l'été 2023. Peut-être ouais, que ça, parle ça sera de, de mai, juin, juillet dans ces eaux-là. On ne sait pas vraiment, mais pourquoi pas Moi, je, je, je ne dis pas, pas non. Co oui, parce que la première saison la était saison, sortie jour, le, 8, le 8 juin. Ouais. Et ils avaient, ils avaient fait les séries à ce moment-là le mercredi, parce que c'était le jour de Loki, selon ouais. eux. Je sais pas pourquoi, mais c'était le, le mercredi. Euh, je crois que Sacha, je t'ai pas demandé ton avis sur cette scène post-générique, mais je t'avoue que je m'en branle. Donc, euh, on va passer <laughs> sur la. Je rigole, je rigole, Et le mec, horrible. genre c'est <laughs> juste ça à la télé ah, Dis-moi tout en plus, tu sais que ah, Sacha, t'es un ange. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais euh, du coup alors par rapport à cette scène euh, bah, concrètement euh, moi ce qui, juste ce qui m'a fait ce que je me suis dit quand j'ai vu la scène j'étais en mode bah attends mais du coup Loki ça devient un personnage hyper important du MCU alors que je me souviens très bien qu'il y a deux ans deux trois ans on était en mode ah Loki là c'est juste une série et après c'est finito parce qu'il faut pas non plus tirer sur la corde blablabla bla, bla. bah, super bien joué c'est vraiment... Ça montre qu'ils en ont plus rien à foutre, <laughs> honnêtement. Donc, euh, en fait, ça me hype vite fait pour Kang, mais euh, comme dit, euh, il est tellement décrédibilisé, le perso, que... Pfft. Ouais, so, Ozef, un peu Osef. Euh, pas la teuf, quoi. Ouais, euh, Ozef. Okay, ouais. Voilà, voilà. Sachant qu'on va évoquer donc le dernier élément de, cette, de ce live, et je vous remercie encore euh, tous d'avoir été présents. Et n'hésitez pas, évidemment, à lâcher le petit pouce, qui ne sert strictement à rien, mais qui fait toujours plaisir. Euh, donc, Première scène post-générique, là, du coup, on voit le conseil des Kang, on voit euh, Immortus, donc euh, celui qui a l'air d'être le plus vieux. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment compris la couleur de sa pose, c'est du bleu, c'est du gris, c'est du marron, bref. Euh, donc, on a Immortus, on a aussi Ramatut, qui est donc euh, habillé euh, tel un pharaon. Et on a euh, donc ce robot Kang qui, euh, se, euh, qui, se, qui se parle entre eux en disant Bon, bah voilà ce qui s'est passé dans tel film, enfin dans Ant-Man et la Guêpe, qu'est-ce qu'on va faire bah, Du coup, on va tous nous appeler. Et du coup, là, on voit une ribambelle de Kang. Qu'est-ce que vous en pensez Tu sais quoi, Sacha, vu que tu as terminé, tu commences Bah, encore plus rien à foutre que ça marche. Ça marche. Non, mais c'est à dire que Thanos, quand il était présenté dans une scène post et on était en mode Waouh, putain, il prend le gant, il va lui-même. Enfin, là, je veux dire, ok, on est tous les losers qui se sont fait battre par un mec qu'on a dû exiler, mais maintenant qu'il est plus là, on peut se battre. Non, je suis désolé, c'est naze. C'est naze et ça fait justement très très peur pour la suite, quoi, c'est tout. D'accord, très bien. Britannie. Bah. Moi. Ouais, Merci. Ouais, <laughs> la pauvre Britannie, elle avait aimé le film, elle va se coucher en se disant Ouais, oh, non, en fait, non. non, non <laughs> c'est vraiment la en fait. C'est sympa. Euh, <laughs> non, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, euh, ouais, euh, je pense qu'ils vont être un peu dans la merde vu le nombre de personnes qui sont. Mais euh, si on a su éliminer le plus fort aussi facilement, enfin. Ouais. Voilà quoi. À voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que ça va vraiment être dur ou est-ce qu'ils vont les ridiculiser comme ils l'ont fait ici, quoi Telle est la question. Euh, malheureusement, réponse euh, dans, en, dans le film Avengers de Kang Nasty, visiblement. Euh, puisque, bah, en plus, dans le film, en plus, on mentionne le fait qu'il y ait une dynastie de Kang. Donc, euh, réponse à ce moment-là. Mais, euh, ouais, c'est vrai que, du coup, si on estime que c'était lui le plus puissant... Euh, <laughs> après, c'est vrai que là, on en, on en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut oui. privilégier la qualité à la quantité Je ne sais pas, ce par rapport au Kang. Mais, euh, mais, on, mais bien sûr, on, on verra tout cela. Toi, euh, Laura, qu'est-ce que tu aimes un peu non. bien sûr, dis-nous tout. On a, René eh ben Malville avec nous. Hein on a René Malville avec nous ce soir. Ouais, ouais. C'est moi. On ah, son âme. On va pas chercher les coupables. Euh... Oui, Je t'en prie. <laughs> moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé, mais je pense que c'est un seul truc qui a joué, sinon j'aurais été en mode... Ok, c'est tous les Kang, il y en a qui ont l'air vraiment teubés, mais Ramatout, oh moi c'est la version de Kang, je pense que je préfère, enfin que je connais, que je préfère, genre vraiment j'adore. Et de voir en fait un visuel enfin sur Ramatout, j'étais vraiment genre trop trop contente. Et de ce que ça peut euh, prédire pour l'avenir aussi, j'étais super super heureuse. Donc en fait, je pense que c'est seulement ce truc qui a joué sur le fait que j'adore cette scène post-générique. Voilà. Très ah bien. Mais du coup, IP, un petit peu. Oui. Oui, okay. très très, très hypé. Parce que quand tu sais à quoi Ramatout est relié et tout, je me dis, ouais, ça peut être Bungers ce qu'ils peuvent faire avec. Bah, Est-ce que tu veux en parler un petit peu Ou tu veux peut-être garder bah, déjà, ça pour une vidéo Peut-être que tu veux teaser. Bah, non, j'en ai parlé vite fait dans ma critique, mais je ne fais pas le truc théorie trop, donc euh, je ne vais ouais. pas réellement en parler. Mais euh, en gros, si, si je me trompe, tu peux me dire, Eloni, tais-toi. Je ferai d'accord. <laughs> et euh, Mais Ramatout, dans les comics, il est euh, dans un arc des quatre fantastiques, si je ne dis pas de bêtises. Si, je dis une bêtise. Oui. Non, ok, oui. merci. <laughs> et euh, il est aussi en rapport avec Moon Knight, Kunshu et tout. Et du coup, le euh, voyage dans le temps, etc. C'est genre vraiment, il voyage bien, bien dans le temps comme, comme euh, version de Kang. Et du coup, le fait qu'ils soient en rapport avec les 4 fantastiques et que le projet arrive, enfin, qu'il n'ait pas encore euh, commencé à tourner tout ça, j'ai quand même l'espoir qu'on voit ce Ramatou apparaître dans les 4 fantastiques. Mais je pense que c'est un rêve illu illusoire. Mais voilà, j'ai. Je crois ouais, les doigts. C'est obligé. Hein. Enfin, c'est obligé qu'il. Qu bah, j'espère. Qu Il faut qu'il qu saisisse ce, ce truc. C'est obligatoire. Si ça, vraiment, il y a un problème. Parce que... Mais moi, vraiment, j'ai envie de voir un, un Ramatout poursuivi par les 4 fantastiques dans le temps et que ça soit ça qui ramène cette version dans Kang Dynasty. Ça ferait, pour moi, ça serait incroyable qu'on ait cette ouais, version. Il est, il est très lié. Donc, voilà. Par contre, je sais oui. pas, il semble que Ramatout a aussi affronté les Avengers, mais là, par contre, c'est juste pour ma culture perso. Euh, oui, il a affronté bah, justement quand il était euh, de l'époque euh, où il se faisait passer par la, pour le pharaon. Mmh. Il a affronté euh, Kunshu qui a ramené son avatar du coup de notre époque avec. D'autres Avengers de notre époque dans le passé pour pouvoir affronter euh, euh, Ramatout. Bah, Encore une fois, le fait qu'il y ait Moonlight, c'est du sens aussi. Voilà. Et tu ne lirais pas quelques comics par hasard, toi Non, moi tu pas une chaîne YouTube aussi Non Ouais, mec ouais, Sur je mon temps perdu, je fais quelques ouais. trucs. Bien sûr, tout est en <laughs> description pour aller, suivre, pour aller suivre Laura et justement, elle vient de vous donner un petit aperçu de sa critique, bien sûr, donc n'hésitez pas à aller. Dans la description, euh, Cyril, toi qui peux nous parler d'une mmh, seule scène mmh, post générique, tu peux nous en parler <laughs> tout de suite. <laughs> ah bah oui, la seule que j'ai vue, donc ouais, je vais en parler. <laughs> euh, globalement, euh, ouais, j'ai un peu faire de la redite, mais effectivement, étant donné que le Kang dans le film, bah, j'ai pas forcément ressenti euh, une tension incroyable. Mmh. Quand j'en ai vu autant, je me suis dit bon, ouais, d'accord, pourquoi pas, mais pas non plus. Tu vois la menace, euh, la menace terrible autant que par exemple Thanos pouvait être une menace, quoi. Ouais. Euh, donc voilà. Donc, voir ce sans... que ça va donner. Pas trop, pas trop d'attente. Ouais, toujours pareil, ouais, pas trop d'attente. Okay. Voyons, trop voyons, voyons, voyons ce que ça peut, comme tu viens de le dire, ce que ça peut donner, bien sûr. Ouais. Euh, ah, je crois que je n'ai pas donné ni la parole, non, Sacha, je lui ai donné. Mathéo du coup, toi, même si on en a déjà parlé, donne un mot. D'accord. Envie d'y croire. C'est pas un mot, mais j'ai envie d'y croire. Envie d'y croire. Il se croit dans Pop Star. Il est en finale. Béliève son... Croire en vos Béliev. rêves. Béliev. <laughs> Ok. <laughs> euh, bah, si, j'y tiens. Euh, moi, je retiendrai de cette scène que c'est très inspiré d'une page de comics, ça m'a fait plaisir. Et que, apparemment, les Kangs sont tous des gogoles parce qu'ils font que hurler. <laughs> <laughs> c'est des gogoles, donc ok. C'est un contenders, quoi, en fait, le truc. <laughs> ok, je, je, je prends, je prends, bien sûr. Et du coup, j'attends de voir. Ok. Et du coup, il ne nous reste plus que et c'est Momo qui donnera le mot de la fin par rapport à tout ceci. Dis-nous ce que tu as pensé du coup de cette scène post générique. Alors, je vais pas paraphraser longtemps. La scène est cool. Je suis content. Je m'attendais pas du tout à voir tout aussitôt dans le MCU. Pour être honnête, j'étais très surpris de le voir. J'étais content. Bon, il faudra juste voir comment est-ce qu'on peut s'arranger à l'avenir pour faire en sorte que Immortus soit moins ridicule quand il parle parce que vraiment j'ai entendu des personnes en pleine crise d'asthme être plus crédible. Donc pour le coup voilà c'était un peu dérangeant. Mais euh, mis à part ça c'est cool. Euh, moi par contre vu que je fais partie de ceux qui pensent que, que Kang est une bonne menace digne de Thanos dans la mesure où c'est aussi ce que Matteo disait dans le 100% Marvel c'est que tabou en tuer un hein, en fait on a une infinité derrière qui débarque donc euh, une menace qui est intemporelle qui est persistante euh, qui, qui qui personnifie le temps etc donc c'est cool et la scène l'a bien montré sauf oui effectivement le, un petit point c'est un peu bestial comme, comme, comme scène. Euh, voilà, ça crée un peu partout. Ils sont contents, <laughs> voilà. Mais, mais j'ai bien aimé euh, cette, euh, cette scène. D'ailleurs, du coup, je le rappelle encore une fois, il y a un truc plutôt sympa dans cette scène polonaise, c'est que certains des Kang utilisent un portail pour arriver et c'est le même type de portail que Mister Fantastic dans euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, petite... Euh... Et la technologie de, euh, de euh, Je crois que c'est ouais ce que j'ai c'était soit ça soit euh, soit euh, <laughs> j ai, j ai... oh putain j'ai aucune j'ai aucune putain je, je sais j'ai pas de mots j'ai pas de mots ça, ça me saoule ah, bah, c'est bon, pense ouais, on, ça, peut on, bon. Peut on arrête le live c'est bon ça, me... <laughs> ça commence à <laughs> me casser les couilles c'est bon excusez-moi oh. un peu non mais c'est bon à <laughs> <par> un bon <laughs> moment donné sauter ce soir non, pas... Vous a... on a tous dit au moins un gros mot donc c'est pas grave de toute façon je comptais pas non je suis sûr on n'a pas dit c'est vrai dit c'est vrai a commencé par ça <laughs> elle a commencé en disant, en disant fuck et après elle a commencé à me donner son avis sur le film. Et il n'y a pas de souci, c'est pas, <laughs> pas grave, je le prends bien. En tout cas, euh, ouais. mesdames, messieurs, euh, je vous remercie grandement d'avoir été euh, présents. Évidemment, vous, que ce soit Brittany, CG, Cyril, The Android euh, ou encore euh, les Olympiens débattent aussi. Parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui demandaient pourquoi j'avais oh. retweeté. Euh, un, parce que du coup t'as as Twitter et en fait j'ai retweeté un tweet que t'as fait en 2020 il y avait des gens qui n'avaient pas okay. compris pourquoi et du coup bah voilà maintenant vous savez pourquoi merci aussi ouais. bien sûr à, à Elonie, à Matteo, à Momo et à Sacha je vous remercie euh, grandement vous êtes tous des amours tous autant tant que vous êtes et je vous remercie aussi dans le chat parce que sans vous euh, bah on, on est quand même quelque chose mais on serait peut-être un peu moins mais du coup voilà n'hésitez évidemment pas à lâcher le petit pouce qui ne sert strictement à rien et qui fait Toujours plaisir. Dans la description, vous avez les liens de toutes ces personnes. Et je, une mention spéciale pour cet homme-là qui est en bas à droite, puisque euh, il a participé au Nikon Festival. Et du coup, vous avez euh, le lien euh, si vous voulez voter. En tout, cas, vous, en tout cas, vous avez le lien pour voir le court-métrage. Et si vous le trouvez à chier, vous votez pas pour lui. Si vous non, aimez, voilà vous votez pour lui. Voilà, tout simplement. <laughs> Voilà. Voilà. Donc, et en plus, s'il gagne, il vous donne 2 euros par personne. Oui, il, a... il a dit ça. ça <laughs> il a 2 euros et euh, si vous votez euh, deux euh, fois ouais. pour lui, il vous donne littéralement 100 euros. Donc en vrai, créez-vous ouais. de faux comptes pour voter pour lui. Il va être disqualifié ouais. il... et il sera pauvre. Super. Quoi qu'il soit, vous avez le lien. Enfin, tous les liens dans la description pour toutes ces belles personnes. Et après tout ceci, il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Ah. Oh oui, Salut. attendez, j'ai pas encore coupé ah. le son. Je coupe le son au fur et à mesure. Là, c'est coupé.